Et bonjour à tous, Farka, on se retrouve aujourd'hui sur Brave Story New Travelo. Que j'ai fait hors screen. J'ai bien sûr été voir dans chaque ville, voir s'il y avait des PNJ pour différentes quêtes. Et devinez quoi, il y en avait qui étaient extrêmement pourris, du style crafter un objet et la récompense était 100$ pour le jeu, ce qui est absolument ridicule. Vous tuez 3 mobs, vous avez 1000. Donc, ouais, c'était une perte de temps. Mais j'en ai quand même fait beaucoup. Les seuls qui étaient entre guillemets intéressantes, c'était tuer un boss qu'on a déjà tué une fois et récupérer des matériaux sur un mob. Mais c'était ça aussi extrêmement chiant que les mobs apparaissent pas tout le temps. Les mobs peuvent s'enfuir en plus, ceux-là en particulier. Et ouais, c'était un sacré bordel. Du coup, ouais, bouquin, vous allez dans bouquin de quête par exemple, et on voit qu'on a quand même entamé ou terminé un sacré paquet. Mais le reste est encore à découvrir et à faire, ou pas du tout. Mes niveaux actuels ont bien boosté du coup, pour la simple raison que j'ai simplement farmé pour les... pas pour les niveaux, donc mon stuff actuel a pas vraiment été modifié, parce que on peut pas le faire concrètement, on peut pas crafter d'équipement, d'armes, d'armure ou quoi que ce soit. Niveau accessoire, j'ai juste gonflé mes stats de 1 point généralement, donc mes gars ont maintenant jusqu'à plus 2 points de force, ou plus 3 maximum. Pas énorme non plus, mais ça reste des dégâts en plus, donc tant mieux. Et ça va être bon. Du coup, j'ai vu les vidéos d'hier, j'ai remarqué que j'ai l'impression que le son de mon micro était beaucoup plus fort que le son du jeu, ce qui est d'un côté normal, mais j'ai le sentiment que c'était beaucoup, beaucoup plus fort. On m'avait dit que non, mais j'ai le sentiment là. Du coup, j'ai augmenté un peu le son du jeu, pas beaucoup, 1 décibel, et j'ai réduit le son de mon micro de 3, et je l'ai aussi rapproché. Comme ma pièce est extrêmement vide, et elle le restera, il y a toujours ce bruit d'écho que vous allez entendre en background, forcément. Donc si mon son de micro est moins fort, l'écho sera aussi moins fort par conséquent. Voilà. Du coup, je verrai si ça marche bien ou pas, sinon je re-switcherai, je modifierai, et puis on s'adaptera, littéralement. Bien, donc j'ai exploré toute la carte du monde, ce que je pouvais, à d'autres dragons. J'ai remarqué quelques bracoles, déjà au milieu de cette zone, dans la zone de neige ou de glace, peu importe. Vous avez une zone, je suis allé bien sûr, parce que je suis quand même curieux. Donc j'ai été voir, la zone contenait un patron, le patron pour crafter un accessoire de défense de niveau 4, ce qui est peut-être un des meilleurs du jeu, peut-être. Mais ça m'intéresse pas, défense, ça m'intéresse pas vraiment. Il y a des mobs dans la zone forcément qui sont différents, mais on aura le droit d'y accéder plus tard pour la quête, je suppose aussi. Au milieu, il y a une sorte de ville, la ville est déserte, il y a juste au milieu de la salle, on dirait une construction avec des bouts d'armure et on peut pas interagir avec. Donc c'est peut-être un boss qu'il faudra aller voir plus tard pour lui casser les dents. Et sinon, faire quelques quêtes à droite à gauche que j'ai faites. Donc voilà, c'était pas génialissime non plus. Sur l'île qui est au nord, il y a des combats qui sont spéciaux. Enfin, les mobs sont très compliqués actuellement, mais il y a rien qu'on peut rentrer quelque part. Il n'y a pas de donjon ou quoi que ce soit. Donc voilà pour ça. Et j'ai été également dans la zone au sud ici, vers la forêt qui apparaît de temps en temps sur la carte, pour valider mes deux objets. J'étais à l'avance, voir si c'était intéressant. On l'aurait fait ensemble, mais c'était de la merde, donc j'ai fait de mon côté. En gros, un de ces objets, genre la faux, me donnait un patron pour un objet à crafter, et l'autre m'a donné une lance pour votre gars, la lance. La lance est quasiment aussi bien, c'est kiff-kiff. Entre celle que vous avez dans la forêt et celle que vous pouvez échanger contre un des piafs blancs ou noirs que vous avez dans ces deux villes qui est ici. Voilà pour ça. Et au cas où, si on allait... Ah, je peux pas avoir accès à mon inventaire ici. Faut d'abord être par terre, et là, c'est avec ça l'inventaire. J'ai crafté à l'avance des choses qui pourraient ou pas servir. J'ai crafté des Magical Reborn. Ces objets servent à résister plus à un petit peu à tous les statuts du jeu. C'est possible qu'à un stade précis du jeu, je tombe sur des adversaires qui m'infligent des statues à tout bout de champ, et faire un tour pour les retirer, c'est extrêmement chiant. Donc, j'ai mis ça au cas où, que je m'en servirai peut-être pas, mais j'ai fermé pour les faire, et voilà. Notez que pour le farm, j'ai dû farmer avec Yuno et un petit peu Ropol, des créatures qui étaient immunes aux dégâts physiques, ne subissaient que 1 point de dégâts, donc je vais utiliser ce handicapé pour infliger quelques dégâts sur la cible, et comme il est très faible, il n'infligeait que 15 points de dégâts, mais ça suffisait pour les tuer, donc haut les cœurs. Et Yuno pour le vol, n'oubliez pas, enfin j'ai oublié aussi bien sûr, que vous avez un skill en commun avec elle,
avec elle et Tatsuya, et vous pouvez voler à une cible qui du coup donne accès à des récompenses qui sont généralement assez rares sinon à choper. Donc ça m'a aidé pour ça. Vous dites-vous que j'ai gagné environ peut-être 6-7 niveaux, et je les ai gagnés uniquement avec ça. Et en plus, ce qui est aussi à noter, c'est que une fois que vous volez une cible, généralement je m'enfuyais. Donc je tuais même pas les mobs. Donc j'essaie d'avoir le minimum d'XP possible. Je flinguais uniquement les mobs, de repérer les objets que j'avais besoin, et c'est tout. Je devais par contre parler à ces mecs ici, je ne suis pas retourné là, pour réduire ton erreur screen pour être honnête, et parler à ces mecs juste pour voir s'il y a quelque chose qui se passait pour une quête secondaire ou pas. Mais j'ai totalement zappé de faire ça. Ah, je vous ai vu, en même temps, on passe pas non plus inaperçu. C'était sûrement très désagréable. Stimulant, non, désagréable. Aucun moyen de rester debout comme un pic sur deux dragons, c'est mûlant. Je ne crois pas du tout à ça. Ouais, non, je pense que sa barbe couvre toute forme de trait facial, donc on ne sait pas s'il est content ou pas, totalement. Mais c'est déjà, non? Oui, peut-être, je sais plus. Qu'est-ce qu'on cherche? Vraiment, c'est ça. Je crois que j'ai roté, j'espère que vous avez pas entendu. Les Shadows. J'ai oublié hier de mettre mon statut sur Twitch en mode online. Du coup, je ne sais pas si ceux qui étaient abonnés, enfin, ceux qui étaient suivis, je ne suis pas partenaire Twitch, donc je n'ai pas accès d'abonnement Twitch, mais ont reçu une notification pour laquelle j'avais repris le streaming. J'ai mis aujourd'hui, je ne sais pas si ça marchera ou pas. Tant pis, sinon, mais voilà, comme ça, vous savez tout. Il y a deux ombres, sûrement la principale, le méchant derrière, le mec qu'on croit qu'il est méchant, que je doute fort que le petit nabo qui sert d'antagoniste dans ce jeu soit actuellement le vrai méchant. Ouais, il y a le mage à la con, et quelque chose, bien tu... Ce mec est censé savoir ça, pourquoi il ne nous dit pas directement, il dit « Hey, l'autre, le ténébreux, le quelque chose, ah, c'est tellement... » C'est tellement casse-couille, les PNJ qui vous racontent pas tout. Je me souviens plus du tout, ça fait 2 ans, you know. Quoi? C'est pas moi qui suis allé. Du coup, le seul qui nous manque comme compétence à obtenir, c'est celle pour Sogret et, entre guillemets, Ropol. Je m'en fous un petit peu de son passif, mais je suis curieux de savoir ce que c'est. Donc, si on tombe sur sa quête ou un truc du genre, bah, je la ferai. Si c'est une quête à faire, j'en fais juste parler à un PNJ, ça suffit. Mais je devrais voir ça au chapitre suivant. Bah, au moins, je suis content que, d'un point de vue technique, Ropol est en train de juger un petit peu le mage adverse, et il ne sait pas ses intentions. Du coup, il dit qu'il est, genre, méchant, et ou cruel, et ou sans compassion. Donc, peut-être qu'il a... Bon, on sait clairement que le méchant a un objectif derrière, pour ces raisons, il ne le fait pas parce qu'il est genre, ah, je suis méchant, du coup, je fais les touches méchants, c'est pas Skeletor non plus, mais... Je préfère qu'il mette une sorte d'hypothèse pour dire que l'ennemi est pas juste un ennemi stupide qui est là pour tuer quelqu'un et c'est terminé. Après, lui aussi est un mage, qui sait qu'entre mages, ils savent qu'il y a des raisons du pourquoi, du comment, je sais pas. Du coup, il va me demander à venir, c'est ça, dans les étoiles. Ouais, tout le monde est comme ça, finalement. Je veux dire, le jour où vous allez snap et vous allez devenir chaotique mauvais, c'est possible. Ok. J'ai du mal à y croire, mais c'est un monde magique, alors. Possible. Ouais.
Je vais avoir de faire un hacker neutre. Impossible. J'aurais pu être le méchant, j'aurais été plus puissant que cette merde. Même si mon dido dragon est plutôt badass, je suis content de le voir. Oh, aussi pendant que j'y pense, avant que j'oublie aussi, dans la zone de la forêt qui apparaît dans le désert, il nous reste apparemment 3 boss à tuer, parce qu'il y a un symbole avec un dragon dessus, ça fait peur, un symbole avec un démon dessus, ça fait peur, et un symbole avec un cristal. Et oui, il faut un cristal, un boss cristal, pour ouvrir la porte qui est protégée par un cristal. Alors que les autres, non, symbole le dragon, ouvre la porte en cristal, pas de soucis. Mais nous en reste 3 à choper là-bas, donc on sait déjà qu'il nous reste 3 boss à tuer. Donc voilà, déjà ça fait un truc de moins à faire. Les boss secondaires comptent pas non plus, bien sûr. Bien, attends, où doit aller? Que fatalement la carte du monde elle a déjà bien exploré. Et il nous reste juste la caverne noire qu'il y a dans les grottes, la zone de glace, et c'est tout. Donc il doit y avoir un truc qui va apparaître bientôt, comme dans la plupart des jeux, où par exemple il y a une cité qui va apparaître sous la mer ou ce genre de choses. Bon, je m'attends à un truc du genre, clairement. Parce que là, point de vue technique, c'est pas où est-ce qu'on devrait aller concrètement. Je dois aller à l'Eris. Je sais où c'est. À force de faire des allers-retours pour parler des différents PNJ, je me rappelle de la ville. Ok. Bon, bah allons à l'Eris, mais avant. Non, je voulais simplement voir si. En lui reparlant, il a raffiné peut-être la quête pour Paul pour passer son passif. Le jeu fait souvent ça, vous parlez à un PNJ, et vous revenez lui parler après, et il vous donne ça. Ou alors, faut aller dehors, retourner dans la ville, et le boss, ou enfin le mob est réapparu, et ainsi de suite. Mais c'est... pas maintenant. Attends, vous savez tout, je crois. Non, la musique est toujours ici. Déjà, j'y suis allé hier soir, donc je sais ce que c'est. Il y a des gardes ici. D'ailleurs, en parlant de gardes, il y a eu maintenant des gardes qui sont apparus dans les dernières villes qu'on a explorées. Celles où il y avait des personnes qui étaient paralysées, slash muettes. Il y a des gardes maintenant ici. Je ne sais pas pourquoi, je leur ai parlé, mais ils m'ont dit encore un truc, mais je ne me souviens plus, parce que c'était pour le dialogue à la con. Donc, on parle à Kutz, qui est qui? Je ne sais plus qui est Kutz. Ok, je pense que ça va être notre boss de glace, que c'est le mec qui s'appelle Père Diamant, concrètement. Donc, Diamant, Cristal, ok, je pense qu'il y a un truc qui va être lié à ça. Et il y a qu'apparemment l'église s'est rebellée, parce que l'église, dans chaque jeu de ce style-là, généralement l'église, ça pue du cul. Même si dans celui-ci, il n'y a absolument rien qui vous a dit que, par exemple, il y avait un truc qui était en cours, une religion, donc des mecs qui rapportent la religion dans différentes villes. Non, non, il n'y a rien du tout sur l'église dans ce jeu, mais apparemment il s'est rebellé. Bon, bah... Ouais, pourquoi un truc aussi drastique s'était passé? Ouais, si on savait, on aurait stoppé. Ah ouais, comment on pouvait le savoir? Parce qu'il n'y avait absolument rien du tout qui se passe. Ok, donc on va passer incognito, hein. Et porter les mythiques... Ah bah oui, sur Sogret, ça va être tellement... tellement pratique de passer. Ouais. D'autres, ça va encore, mais... As-tu un plan? Ok, et nous? Ça va être un peu suspect, non, si on y va tous ensemble, je veux dire... non, ça fera un autre culte. On devrait se séparer et chercher. Chercher quoi? S'il te plaît, ne me demande pas de parler à tous les PNJ, j'ai déjà fait hier. Derrière la statue de Sistina. Ok, je sais pas qui c'est, mais on va trouver une statue et puis essayer de... voir avec ça. Ok, donc on a une zone... la ville et une nouvelle musique ici. C'est toujours été pété comme ça. Il n'y a personne, on s'en fout. Je suppose que c'est dans la ville du sud, parce que là c'est là-bas où est la église, typiquement.
Ah, un statut, ça doit être celle-là. Ah, un statut, ça doit être celle-là. C'est toi, Kurtz? Hello? Non, il s'en fout, il me snob. Ah, ça doit être dedans, il y a une grande statue ici. Ouais, c'est vrai que c'est tellement bien planqué que. Hein, ok. Bon, bah. Mais. Allons-y. C'est un donjon. Ok, bon, bah, ça va être un petit peu en mode je vais à gauche, c'est pas le bon côté, c'est le bon côté, demi-tour, accompagné. Un petit peu frustrant, généralement, mais. Dernière fois, on s'est bien débrouillé, enfin, on a eu beaucoup de chance dans les grottes, dans les mines et le marais, ça a été. C'était bien, on a fait les bons choix, même si on n'avait aucune raison de savoir où était quoi en priorité. Ouais, je vais me battre. J'ai acquis beaucoup de compétences et je crois pas que m'en suis servi. Je sais ce qu'elles font. Et pour être franc, on ne s'avérerait probablement jamais. Vous allez savoir pourquoi. Ok. Non, non, tu ne joueras pas avec nous. Ah, il restera en... Ah non, 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 c'est pas un personnage avec nous. Nous, il peut mourir. Mais maintenant, on a une résurrection aussi. Voilà, où sommes-nous? Là. Ok, bon bah, on va se battre en mode... Capuche, c'est quoi ça? Le décor? C'est quoi cette merde? Non, c'est le décor, on dirait qu'on peut interagir avec, mais peut-être pas. Et nous sommes bloqués pour l'instant, donc il faudra activer un levier ou quelque chose de ce style. Il y a un bruit en background, je sais pas ce que c'est. Ouais, va faire marcher ton charme sur ces bises! J'en sais rien, moi. C'est pas des monstres, des insectes. Oh. Il me force à faire un combat contre des bees. C'est des Black Vespid, celles qui veillent aussi à l'extérieur de la zone au nord. Bon, on a encore un nouveau skill. On a eu Nova Spark. C'est une explosion un peu comme le Mega Spark, mais en Nova Spark. Ça coûte beaucoup d'énergie, 40, c'est assez énorme. Ça fait une tonne de dégâts, mais la E n'est pas aussi grande que ce qu'on pourrait penser. Et ces mobs-là, je pense, ne vont pas rester en vie très longtemps. On va le faire une fois, c'est le début du combat, on va se régénérer au fur et à mesure, donc allons-y. Elle a... Oh bah c'est nouveau ça, j'ai pas vu ça hier. Je connais ce pouvoir, je connais tout. On a une résurrection au niveau 40, je crois, un truc du genre. Donc c'est une résurrection, t'as full restore PV aussi. Donc, au lieu de ramener la vie avec par exemple 5 points de vie comme dans différents jeux, ici vous êtes full PV, donc c'est génial. Mais par contre, si elle meurt, forcément elle ne sert pas, donc c'est le risque qu'elle peut avoir. Donc, si j'ai beaucoup de choses à mettre en termes de soins sur elle pour qu'elle tanque, je le ferai, c'est plus logique. Mes PL c'est correct, mais elle n'est pas non plus énorme comparé à mes deux bourrins. Vous savez quoi ça? Piercing Blades, qui ne rate jamais. J'ai rarement raté dans ce jeu, mais ok, garantie critique. Mono-cible, on va essayer, parce que je suis... Je vais voir ce que c'est. Lui, il a eu Calming Waters. C'est un skill qui va vous régénérer sur une durée, typiquement de régénération. Mais... Ce n'est pas lui mon healer du groupe. Et s'il heal, il DPS pas, donc ça ne m'intéresse pas. Et je ne sais même pas si sa régénération est actuellement efficace, puisque sa sagesse est à genre 8 ou 5. Donc c'est tellement ridicule que je ne sais même pas si ça soignera du tout. Ça peut être bien, mais on s'en verrait pas. Et il a un pouvoir où il se buff lui-même en dégâts physiques en plus. Ça peut être utile, puisque mes Tatsuya et Milady ont un skill en commun pour booster leur DPS pendant 3 ou 4 tours, et lui il a rien. Du coup, le premier tour, on pourrait le faire aussi sur lui, et plus puissant. Donc, je peux m'en servir au début d'un combat, mais pour un combat de style pas là à la con, je ne le ferai pas. Et on va faire ça au cas où quelqu'un survit. On sait jamais, ça peut arriver. Ceci est Nova Spark. Et on fait 50 points de dégâts. Oh, ça critique sur tous les coups. Ok, c'est pas mal du tout du coup.
entre ça, le ski qui attaque 6 fois, c'est dur comme balance. Alors, ils m'ont droppé des Black Stinger. Je me suis fait chier à les farmer pour quelques crafts. Non, ok, c'est rien. Je pensais que c'était un trou où les mobs pouvaient passer, ce genre de choses. Nous avons des Daddy Wrong Legs, qui est drôle, parce que bon, ce serait Daddy Long Legs avec moi. Mais on va se passer de ce détail. On va. Ah oui, on a débloqué un. C'est quoi ça? Je connais tout, je vous rassure. Je connais pas celui-ci. Mais je souviens de celui-ci. On a débloqué un skill en commun avec ces trois personnages-là, ici. Donc si je le fais, ils vont tous faire ce skill. J'ai pas fait encore une fois. On va le faire ici, je suis curieux. Ça, apparemment, ça fait des dégâts à tous et ça fait des dégâts de vent, apparemment. Ce qui me surprend surtout, ouais, deal wind damage, c'est que au final, cette team ici n'a pas énormément de sagesse. Du coup, DPS magique n'est pas censé être puissant. Alors, typiquement, ce Gret, comme j'ai dit tout à l'heure, il a 8 ou 5 d'énergie. Donc, il n'est pas super basé sur le DPS magique. Et c'est des dégâts de vent. Donc, je vais le faire et on verra si les dégâts sont actuellement monstrueux ou pas. Ah, du coup, il le fait actuellement. Je vais plutôt le faire avec. Ok, je vais le faire avec elle plutôt. L'énergie qu'elle va dépenser va leur gagner difficilement. Et du coup, c'est quoi ça? Résonance des épées qui absorbe les points de vie de la cible. Ok, je peux donc DPS me soigner en même temps. Je sais pas quelle hauteur de dégâts ça va infliger, mais on essaiera ça avant d'arriver sur une zone compliquée. Voilà. Ok, alors malheureusement, c'est de mauvaises cibles à viser, qui semblerait que ses ennemis soient vulnérables au vent, je suppose. Donc, ils ont tout pris des dégâts en plus. Que ouais, forcément, dépasser à 340 et les plus chers, on se dit, waouh, c'est plutôt cool. Et c'est le cas. Mais comme ils sont vulnérables, ils ont subi éventuellement 50% de dégâts en plus. Donc, 200 points de dégâts pour un truc du skill. Peut-être pas, faudrait essayer sur d'autres mobs. Et là, ça commence à être chiant du coup. Gauche ou sud-est? Voyons voir ce qu'il y a ici. Oh, je vais pas aimer cet endroit. C'est quoi ça? Des boules grog. C'est censé vouloir dire bullfrog. Ou grenouille euro, un truc du genre. Bon, on va auto-attaquer, puis on verra ce qu'ils font. Ok. On dirait pas qu'ils ont de statut sur l'auto-attaque. C'est déjà intéressant. Donc on est sûr qu'on va être à l'abri comparé à des mobs qui infligent par exemple Sommeil. Pas Sommeil mais Oblivion ou Poison, genre de saloperie. Et apparemment Yuno a débloqué un bisou. Génial. Ça regarde pas. Il y a un coffre là-bas, il y a plein de coffres, il y a plein de trucs. Je crois qu'on va du mauvais côté en fait. Ouah, on va loin. C'est une grande pièce. Il n'y a pas grand chose. On va quand même attaquer du coup. Ça commence à rien de défendre. Ouais, voilà. C'est ce que je disais. C'est quoi ça? Il y a des chouilles. Ok, je voulais juste. Pas défendre, je voulais que mes gars attaquent au lieu de défendre et que lui fasse du coup la compétence pour attaquer les insectes et qu'il tue du coup les araignées et le reste soit très endommagé et que mes gars puissent les finir. Malheureusement, j'ai fait un petit peu tout l'inverse, j'avais parlé de défense et du coup j'ai défendu avec mon mec. Cette erreur de merde, carrément. Oh, c'est une méga paralysie. Vous pouvez paralyser à l'infini. C'est possible. Milady, c'est un recover. Wow, ça peut être chiant que tu m'en peux être paralysé à l'infini ici. Et c'est même, apparemment, ils auront au moins 3-4 coups différents. Bon.
Oh, on a eu des peaux durcies. On peut pas scanner ça ici? Je veux lire! Non, nous ne pouvons pas. Voilà, là, où est-ce qu'on va? J'en sais rien. On va essayer de retourner en haut. Et c'est un cul-de-sac. D'accord, des gens ont beaucoup picolé ici. Non, j'avais fait s'il n'y avait pas un coffre caché. On va aller au sud. C'est là que j'avais vu qu'il y avait des coffres éventuels. Ou le coffre éventuel. J'ai vu plusieurs, je crois, non? Constitution, ça ira sans Milady. Ouais, pas chat de toute façon pour l'instant. Tiens, tiens. Un retour des séductrices, que je n'aime pas du tout. Et nous avons un Black Knight, qui est un petit peu comme les épéistes, mais avec une lance. Bon. Ça devrait, je pense, vite mourir, mais dans le doute. Ça peut être très résistant. Hein. On va voir. Bon, on sait qu'ils ont environ pareil, 50 points de vie. Ce qui me fait pas très peur. Et les sorcières par contre peuvent être casse-couilles, casse-oblivion, au tout bout de champ. Il y en a deux en plus. Et allons par là. Et observons. On va retourner au sud pour récupérer l'autre coffre qu'on avait vu. Ah, son patron pourra crafter l'accessoire de force qui boostera ça à plus 4 ou plus 5. Ceux que j'ai actuellement ont plus 3. Donc ça m'intéresse déjà. Puisque je vois ce qu'il faut comme matériau pour ça. Ceci, il faut des Crystal Chaos. Et on peut les avoir uniquement sur des mini-boss spécifiques. Donc voilà, ça sera pas là avant très longtemps. Voir pour toujours. Il me faut quoi? Il me faut Toughen Skin. On a ça sur ces araignées là. Le Crystal Water, j'en ai plein, donc ça va. On peut en crafter 4 déjà, ce qui est cool. Et il me faut des Blue Core. On a ça sur des golems de glace, vous n'avez pas encore vu. Je sais où ils sont, donc voilà. Soit en les tuant, soit en leur volant, ça marche. Ok, et comme dans la zone, il y a pas mal d'araignées, qu'on en tuera quelques-uns. On devrait récupérer au moins deux nouvelles peaux, je pense. Et on sera bien. Du coup, c'est cool. On peut en crafter un maintenant d'ailleurs, histoire de. De voir. Et c'est 5. Ça donne plus 5 points de force. C'est cool. Au lieu d'avoir me faire chier à crafter les plus 3, j'aurais dû jouer au jeu et puis voilà. Mais bon, on n'était pas encore ici. Et voilà. C'est vous que je veux. Et bien sûr, focus ces créatures, parce que c'est vraiment mon gars. Actuellement, je vais roundhouse celui-ci. Il risque d'être un des seuls survivants. Comme je disais. Un peu d'overkill, mais c'est pas grave. Ok. S'il y a besoin, je volerai les araignées pour leur carapace. Et nous avons déjà un point de sauvegarde ici. Pas foutu grand chose, mais. Et qu'avons-nous là? Ah, rien encore. Non, à moins que. Encore un coffre. J'ai vérifié dans différents donjons qu'on avait déjà explorés. Et j'ai vu qu'à chaque fois, il manquait un coffre. Et je ne sais pas comment on les a, que de 1, je ne les vois pas, ces coffres. Et de 2, je ne sais pas où est-ce qu'il peut être. Forget Powder. Une poudre qui inflige confusion sur un ennemi, je pense. Ou isolation, ça vous arrive. Mais au moins ce jeu n'est pas online. Comme ce temps-ci, j'ai des problèmes de connexion internet. Des fois ça plante. Enfin, j'y peux rien concrètement, mais. On a deux chemins. Je vais prendre la gauche, l'autre est un changement d'écran. Ça sent le labyrinthe. Et. C'est du Black Knight. J'ai eu peur, je me suis dit, oh, c'est quoi ça? C'est son vert. Mais non, c'est du Black Knight, du skate plus normal. Ouais, c'est vraiment de ce cas plus normal. Avec deux niveaux en plus, il pourra tuer en un coup à 100%.
Ok, tu nous parles là. Bien, bien. Ça. Le manque méga gagne, c'est suffisant. Ça vaut de l'argent, mais l'argent ça paraît grand chose. Et on se barre à l'écran suivant. Est-ce que c'est la même. Non, ce sera la même chose, mais pas du tout. Oh, une seconde, je vois ici. Je ne vois rien, c'est triste. Trois chemins. On va prendre celui-là qui est là, on dirait que c'est un cul-de-sac. Ah là là, là ça va être. Par ici. Hop. Fruit de bravoure, c'est cool, je reveille là. Non, je. Un cul-de-sac ici. Ok. Et. D'accord, donc c'est pas que des cul-de-sac, c'est aussi des trucs. De l'argent. Je laisse. Littéralement. Donc plus vous allez jouer au jeu dans les nouveaux donjons, plus vous allez tuer des mobs, vous aurez d'argent aussi. Alors, quelque chose ici. Non, rien du tout. Du coup on va aller au sud-est. Et on se barra par le sud. Et il n'y a rien. Ouais, c'est religieux, on a de drôles de tendances avec toutes ces chaînes sur les murs. Surtout que c'est aussi pour attacher les jambes. Donc c'est bizarre. Honnêtement. Ouais, il y a la torture là-dedans. Et nous sommes à la cathédrale sud. Alors, non. Un chemin. Ha! Mais il nous en reste. Il nous en reste 3 du coup, c'est un qu'on n'aura jamais. C'est un No Game Plus, mais j'irai pas en No Game Plus. Ok, on va quand même dire 4-4 au cas où, mais. Sortie est ici. Oh, y'a rien d'autre? Ok, donc le coffre qui manque, soit c'est la fin du donjon qui est ici, soit c'est au début de la zone du coup, moins qu'on n'a pas emprunté. Après tout, on a bien trouvé une salle où il y avait 3 coffres aussi. Possible. Mais j'irai après. Tout d'abord, on va flinguer, j'imagine, le monsieur en cristal, en diamant, peu importe. Le père cristal. On n'attendait pas voir ce mec là ici. Ok. Ah. Ok, je me suis dit, bon, ok, ce mec-là, Tarakon est censé être très puissant. Il sait que ce mec-là a l'objet. Pourquoi il prend pas simplement? Apparemment, il est balèze. Ce qui paraît. C'est à nous. Bon, on sait que c'est là qu'on aura la gemme de dragon, du coup, quand on aura flingué celui-ci. Oh, c'est le. C'est le. Dragon d'hier. En plus mort. Il va quand même le tuer, je pense. Je veux dire, comme du coup, maintenant on sait que c'est pas le boss de cristal, on sait qu'il va mourir. Enfin, il va lui filer l'objet, il va quand même le tuer. Ok. Pourquoi il arrêterait? Pour qu'on aura fait la même chose. Donc il vient ici à pied,
Ils peuvent se téléporter. Bravo! C'est super intéressant. Je pouvais me TP, mais j'irais me téléporter plus pour aller pisser, par exemple. Mais non, non, c'est pas bien. Du coup, on va rester ici et pas l'arrêter. On pourrait l'empêcher de récupérer cet objet, on sait pas ce que cet objet peut faire dans ses mains, et on va rester là et rien faire. Finish him. Ok, mais où ça aussi? Riaka, je sais pas c'est quoi, c'est pas la zone de départ. Non. Oh, il est... Ah, c'est dire qu'il est... Il est... Il y a rien à invoquer, mais c'est quoi sa connerie? Oh, il a réinvoqué son... Le mec démon, là, démon. C'est deux boss ou un boss? Un seul, je pense. Oh, t'as une sale gueule, maintenant. Oh, merde, je pensais dragon. Ok, ça serait quelque chose de brûlant. Dragon, là, j'ai démon. D'accord, bon, c'est... Ok. On sait que ce mec va me signer mon mana, par contre. Et ça va être chiant. Le mana, j'en ai besoin pour régénérer avec Milady et compagnie. Donc, on va essayer de bourriner un maximum possible pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a? Je pourrais faire ça... Mais je sais pas si ça dure tout le temps ou pas tout le temps. On va éviter de le faire. Je veux dire, si je suis réduit à 0 de mana, je peux esquiver Unity, y a pas de problème. Mais c'est risqué, je vais pas le faire. Semblant triple thrust, il pèse bien. On va cast l'attaque. Je sais que directement lui devrait le faire, elle devrait DPS, mais si c'est. Je vais pas du DPS, putain, si je fais ça. Du coup, je fais ça, vous avez les tours suivants, il aura accès à ça. Et lui va faire... c'est le truc que j'ai dit depuis le début, quoi. Il va se bloquer aussi. Ok, les dégâts sont corrects. Je peux contrer, maintenant. Ok, donc, toujours ces mêmes pouvoirs pour l'instant, du moins. Shockwave. Il y aura sûrement X, Z à quelque chose, Z Ice ou je sais pas quoi. Continue là-dessus. Tu peux DPS une fois, je pense. À moins que tu aies un Unity qui est intéressant. Beast. Aujourd'hui, leur attaque. Retirer les actions marchera pas. Il y a du Darren Beast. Ce serait mieux si le boss attaquait avant elle. Mais je suis pas sûr. Non, ça va beaucoup, je pense quand même. C'est quoi ça déjà? Des dégâts de vent à tous. Non, fais-le. Oups. Et nous, on va pas charger. Non, on peut pas. Si encore le Darren Vite séparé avec Swagret, c'est intéressant. Il charge, il perd des points de vie, après on se régénère. Bonne synergie, mais c'est pas le cas. Et du coup, on va soit ignorer les défenses, soit attaquer trois fois. Soit attaquer trois fois, j'ai un buff de DPS qui est boosté. Plus j'attaque, et plus c'est pas fort, ignorer la défense fera plus ou moins les mêmes dégâts, de toute manière. Encore Shockwave. Oh, joli crit. Mais c'est pas de bol. Avec ça, on va se régénérer à fond, peut-être. Je pense que oui. On est boosté un dégât, donc... 227. Ouais, dépêche beaucoup plus fort que ignorer l'armure. Ignorer l'armure est cool pour différentes situations, mais pas celle-ci. On va piercing. Et continuer sur Roundhouse. Dès que nous sommes bien buffés. Ouais, on dit... Ah, ok, là l'attaque du dragon. Confusion. Résister grâce au pouvoir de la RNG. Ah, c'est ridicule, m'attendais vraiment que le dragon inflige genre de gros dégâts de zone. Oh, il est presque mort, je crois. Ok, mes buffs sont partis, sur Tatsuya et puis Milady, mais il est en train de claquer, donc littéralement là, on va le finir avec un Nova Spark. Ça va être bon. Hadouken. Voilà, c'était beaucoup plus simple que la première version du boss.
Je sais que j'ai beaucoup plus de niveau par rapport à avant. Je crois qu'on devait arriver ici, c'est au niveau 42 peut-être. J'étais combien là? 45, 46. Plus que j'ai gagné en milieu du chemin. Donc ouais, j'imagine que c'est pour ça. Après on aura été réduit à la confusion, il aura touché qui? Milady. Ça a pas été énorme comme impact. J'aurai 10 spells au tour suivant. Ouais, du coup on a le dragon spell rock. Il peut ouvrir un nouveau chemin, mais je dirais qu'on aura les trois pour gagner du temps. Trianka, je sais pas c'est quoi. Trianka, ça doit être une ville, j'imagine, mais. Nous ne savons pas qui il est, ce qu'il fait. Et il manque toujours plusieurs coffres ici. Ouais, on ira, mais j'ai arrêté de voir ce qu'il y a. Donc on a spawn ici. Non. À quoi ça cet endroit ici? C'est un lieu de culte, mais c'est bizarre qu'il y ait du marbre ici. Oh, complètement, ou peut-être plus si je veux encore faire plus. Gauche ou droite? Sur la gauche, on va retourner au début du niveau. On va aller à droite. Avec quoi il me fait chier ce combat hein? Ah ah! Débarras avec Bravery Diagram. Je sais pas ça fait quoi. Ok, il nous manque toujours deux coffres maintenant. Du moins un en particulier. C'est de l'argent ça! Ça pue! Si ça marche pas, vous avez double chance. Ok, donc on va retourner au sud. C'est-à-dire qu'il nous manque un coffre. Du coup, à droite, ici, et là mon dernier coffre. Je sais pas. On s'en fout. C'est vrai que c'est pas un truc intéressant donc. Vous savez quoi? Exit! Ah ah! C'est bien que j'avais ce skill là. Hein. Moi aussi. Moi j'ai vu qu'hier quand j'avais tout fait. Du coup, faut qu'on aille à. Ah ah! Priyanka, c'est ça? Ici? Priyanka Hospital. Yep! Allons-y du coup. Je me souviens vaguement de la zone, mais plus pas du tout que vaguement. Ok, c'est les mêmes mobs. On va mettre un skill pour être invisible. Mais on se rappellera que quand on verra les mobs. S'il meurt en un coup, c'est qu'on les connaît. Et bien sûr, on n'a aucune carte, donc faut se rappeler où est-ce que c'est. C'est pour les combats de bestiaux, ça, hein. Ouais, ouais. Je crois que j'ai fait celui-ci. À l'époque, j'avais plein de piaf au début. Et c'était pas compliqué. Ok, c'est de la merde, je crois. Alors, vite le savoir. C'est dur de savoir qu'on fait autant de dégâts que ça. Ouais, on tape pas 80 avec elle. Donc, ouais, puis on gagne pas un point d'expérience pour le faire non plus. Ok, il m'a convaincu. On va y arriver. C'est là qu'il faut aller, non? Je sais pas que c'était là, mais... Je sais plus. Si on voit encore qu'il n'est pas ouvert, c'est qu'on n'a pas été. C'est nouveau ici. Malheureusement, mon mode invisible est encore actif. Les mobs qui sont dans cette zone doivent être aussi puissants que nous maintenant. Et du coup, on n'a pas combat qui s'engrange. Mais rassurez-vous, ce buff va partir. On pourra voir un petit peu ce qu'il y a ici à affronter. De l'argent. C'est un piège! Non. Mais au moins, on peut explorer la zone sans avoir de combat à tout bout de champ, ce que j'adore personnellement. Oh, c'est une magnifique pièce isolée. On est arrivé par le nord du coup, hein. Enfin par l'ouest, peu importe. Allons voir ce qu'il y a au sud. Ok, allons voir ce qu'il y a plutôt à l'est. Oui, ça j'aime bien par exemple. En un temps invisible, et une paire d'armure. Spaulders, c'est pour
se regrette, ça. Ok, oh, quand même, 7. Et oui, je compte très vite. Que c'est des calculs très simples. Direction sud. C'est quoi ça? C'est pas une extension. Ok, il y a un miroir. Je réfléchis à l'avance, il y a un truc à faire éventuellement ici. C'est le jeu où vous n'avez un des jeux où vous ne pouvez pas utiliser un objet dans la salle. Là, vous pouvez par exemple utiliser une lampe ou appuyer sur un objet pour interagir avec le décor, mais pas dans ce jeu. Donc, je sais très bien qu'on n'a pas un truc activé ici. Je ne sais pas, on va essayer de retenir un petit peu où ils sont. Ok, un truc pour améliorer vos dégâts magiques si besoin, de plus 5. Nebula Shield, ça on sait pour qui c'est. C'est forcément pour Lennart. Ok. Bon bah, apportons un chasse au trésor. Oh, celui-ci est un petit peu vibrant. Ok. On ira dans l'autre pièce après, je suis un petit peu intrigué du fait qu'il y a une couleur ici. Il commence à me téléporter un peu partout, ça me fait chier. Donc, je retiens, c'est le deuxième ici. Le PNJ pour les combats de la zone. Je suppose. Yeah. Okay. Je vous rappelle, il y en a 15 au total. Et aucun combat, parce qu'on est encore en mode invisible. On va tout faire la zone sans aucun combat. J'arrive plus tard pour voir quelques maps qu'il y a aussi, parce que je suis curieux. Le niveau, on les a suffisamment, donc c'est... Oups, le deuxième fire cam. Le stupide. Ah, c'est parti. Et on va voir combien de coffres il nous manque, du coup. Il nous manque 5. Ça reste un certain nombre. Ok. Ah, oh, je croyais qu'il allait se passer un truc directement, mais non. Oh oui, quelle chance. Absorbé par le miroir. C'est le même niveau en mode 2.0 peut-être. Oh. Ah oui, c'est vrai, il a pris un bout de mémoire tout à l'heure. Oui, je pense que maintenant. Le monde souterrain, les enfers. Ça n'attend pas beaucoup, honnêtement. Ça manque de flammes, de ténèbres. De ténèbres. On va affronter ça. Bah, c'est un cristal quand on y pense. Ah, bah oui, ça s'appelle le Dark, forcément. Bah, c'est edgy sinon. Putain. Ouais, c'est une blague, c'est ridicule. C'est un démon. Donc si on le bat, on aura la clé du démon. Hein, pour ouvrir la deuxième porte dans la forêt. Du mon craquant le cristal, et on aura les trois. Aha. Bah j'ai appris que pactiser avec le diable, c'était pas toujours une bonne idée, voire jamais actuellement. C'est la gemme! C'est moi qui dois l'avoir, c'est vrai que c'est la seule qui existe. Ok. L'heure de raconter des histoires. Le démon est à nos portes. Et on va. Eh, je me souviens à l'époque. Ok. Ouais.
Je me demande. Vraiment? Pourquoi? Le monde est différent? Il pourra juste me tuer aussi, puis il aura plus ses souvenirs. Honnêtement, s'il veut juste ne plus se rappeler des différentes choses, le démon peut juste le tuer. Il ne se souviendra plus de rien, concrètement. Dire, quitte à vivre sans aucun souvenir de ce qu'on a fait à l'époque, c'est un petit peu comme mourir ou renaître. Donc je pense que le démon est du genre, oui, t'inquiète pas, tu vas te souvenir de rien. Ce qui va vouloir le tuer, je suppose. C'est de manière logique pour un démon. On va l'affronter là maintenant. Ok, ça. Ah, on va devoir l'affronter. On va gagner, peut-être. Et. Encore. C'est drôle, hein, cognard. Vous avez quoi avant du coup? Ah oui, du coup, on va l'affronter, on va gagner, et il va quand même prendre l'objet à la fin. Le classique. Oh, il... Ok, bah c'est... Bah c'est nouveau. Mais... Bah je vais, on va... Les AO ne marchent pas. Dommage. je déplace qui? Le dragon ou lui? Ça fait des choses qu'il pourrait éventuellement faire qu'on perd chier. Une fois qu'on l'a vu, il a invoqué un mage. Et le mage avait des invocations qu'il ne fera pas, je pense. Il y a déjà un dragon qui est déjà ici. Et il y avait des barrières qui étaient immunisées aux dégâts. Est-ce qu'il va faire ça? Oh, il le fera. C'est un mage. Et tout ce qu'on a vu, on a accès à une barrière qui réduit les dégâts à zéro. Ou si je focus. Mais d'ailleurs, ils vont partir aux chiottes. Et lui va me DPS. On va flaguer le dragon en priorité. Mais là, plutôt un bon plan. Du coup, on va simplement bourriner, comme on a fait tout à l'heure. Balancer le High Spirit. Et balancer le buff pour Sogret. Hey, vous l'avez dit, défense. On sait pas qu'il le ferait dès maintenant. C'est pour ça qu'il le ferait plus tard. Pour des raisons évidentes, c'est que dès qu'il se prend un coup, par exemple, il se défend. 38 points, ok, c'était correct, une auto-attaque, facilement tanké. Le prochain tour va piquer, chérie. Je sais pas combien de temps dure son bouclier, par contre. Est-ce qu'il dure maintenant aussi? Je pourrais faire un skill en Unity, voir ce qui se passe, peut-être un petit peu le terrain, mais ça coûte cher quand même. Du coup, non, on va simplement bourriner normalement, comme on l'a toujours fait. Ça a pas mal marché. Non, on va faire l'autre. Ça crit beaucoup, ça critera plus si on DPS plus fort aussi. Et comme on est buff, roundhouse sur le dragon. Il fait que ça. Enfin, il a fait que deux fois, mais pour moi c'est que ça. Ouais, c'est dégâts, différence. Ok, il est forcément plus puissant sur un mec qui a moins de défense, mais... Même elle est torche des culs. Encore un petit coup. Si y a besoin, je casterai avec Tatsuya pour la vitesse. Waouh, ok, bah ce... Je sais pas si c'est normal qu'il fasse ça ou... Je pense qu'il va être quasiment mort ici. Je suis optimiste, je sais. Mais en fait, pas, donc je me dis que... Non, mais il est... Je vois qu'il a... Il fait la gueule. Non, je pense qu'on va faire un live taker dessus. Elle va être soignée.
On va Twinblade d'avance. Tu penses que je pourrais faire ici? Tu vas te soigner. Elle va faire celui-ci. Ce skill va faire qu'elle va attaquer en premier. Avant tout le monde. Du coup, si elle le tue, lui va peut-être éviter qu'il défende. Par conséquent. Donc on va faire ça. On va DPS au cas où elle se regrette. Elle n'arrive pas à le tuer. Et on évisera après. Oh, il le fait avant elle. Donc c'est un truc qu'il fait par défaut. C'est pas un skill. Last word. Ok, c'était dégueulasse. T'as comment main se soigne toi avec moi? Yes. Dis pas yes, on va crever. Et oh, j'ai un nouveau skill en plus. Grand Slam. Oh, elle contre en plus. What? Elle a contré l'attaque du dragon sur l'autre. C'est drôle. Ouh, il est solide et il monte trop de balles. On devrait se rebuffer. Je vais que tu veux en faire. Non, on va caster un gros soin ici. On va triple. On va caster un Z heal. Et toi, on va voir c'est quoi ton spell du coup, que t'as eu. Ouais, oh, je coûte 50. Ça touche tout le monde sur l'écran apparemment. Donc dans le cas actuel, c'est pas super utile. On va se rebuff. Ouais. Péricide. Et la bouboule. 40 points, aucun statut. Correct. Oh putain. Oh, avant il était encore sous défense avant. C'est bon, DPS c'est pas fort. On DPS à 90. Alors qu'on est même pas buffé. On est même pas, on va même pas buffé ici. Il n'y aurait pas un tour à buffer. C'est un tour qu'on peut lui ouvrir le bide. Non. Il a beaucoup de points de vie, ça pourrait durer une plombe aussi. Si je peux gagner un tour à la fin, et ce sera le cas je pense, ça va le faire. Waouh, ce mec se prend pour un gars qui est très fort, et pour l'instant je vois rien qui est très fort. Le truc qui m'a fait le plus de dégâts, c'est ce créateur quand elle est morte. Prochain tour, on va lui mettre cher. Oh oui, ça c'est du dégât. Gars. Attends, je comprends pourquoi il mettait à chaque fois de défense. C'était une raclure. Il était faible. Je suis totalement déçu de sa performance. Fire Worm Soul. Rien faire avec moi. Non. Peut-être plus tard, j'aurai un... Parce que je peux crafter un accessoire qui s'appelle Fire Worm quelque chose. Et c'est le numéro 1 de ce patron. Et je pense peut-être que les patrons, peut-être, par exemple, numéro 2, 3 ou 4, vont demander de ce matériel, peut-être, pour le craft. Je vois que ça. Sinon, on s'en fout. Hein. Tu montes le level up. Tu es déjà arrêté. Mais il va seulement faire posséder par le démon ou un truc du genre. Ouais, ouais, tu recules à ta propre défaite. Et nous, on va rester ici à rien à le regarder faire. Nous sommes des vrais héros après tout. Regardez-le! Non, attends. Et voilà. Ah, messieurs. Du coup, il y a la cinquième pierre maintenant. Ça m'embête. Ouais, c'est une upgrade, c'est pas mal. Ça brille, ça tourne. Oh non, on n'a rien foutu. Oui!
Bien comment il disparaît à chaque fois que le truc il s'élève ou il descend. Comme si les développeurs avaient fait quelque chose du genre « Oh, c'est chiant à animer, on va juste le retirer et puis le remettre après. » Actuellement, j'aimerais que ça arrive ce système-là. Il y a des jeux où ils le font, où par exemple, vous faites quelque chose de... Vous libérez un démon par exemple, et le monde avant où il y avait de la lumière, de la verdure, d'un coup devient un peu plus lugubre, les plantes deviennent rouges ou violettes, on voit l'éclipse, ce genre de choses, où on voit que le background est actuellement affecté par la libération de la créature ou du démon en question. Peut-être le cas ici, on va voir, mais je pense que non. Une oreille comme ça. Ah, ma nuque. C'est un combat encore? Je suis ingénieur, moi. Je crois, ouais, on est en bonne santé. Hein? Il est gris. Oh, on s'en fout, on est bien soigné, on a rien à craindre. Là. Bon, bah, boss 2.0. Il se manque de ma gueule, par contre. Là, ça n'a pas changé, hein. Grand wizard. Bah écoute. Et donc plus qu'avant, il prend 20 dégâts de moins par attaque. Quelque chose à noter, forcément. Plus costaud et moins il mourra vite. Eh, il connaît ce skill. C'est le même qu'avant. Aussi pourri qu'avant. Un peu mieux, j'imagine. Ouais, continue là-dessus. Avec toi, on va faire Life Taker. Et continuer avec Roundhouse. Joli crit. J'aurais voulu qu'il DPS avant de se régénérer, mais c'est pas grave. Nos deux mecs sont pour l'instant les seuls qui sont blessés. Donc on va en profiter là-dessus. 230. Je pense qu'elle DPS... Ah, voilà la E que je voulais. Enfin, je voulais pas la E, mais... On peut attendre avant de se healer encore. Il n'y a pas d'urgence. On peut attendre encore un tour. Pendant que le buff est encore actif. Ouais, je pense que ce skill DPS plus que les 230 avec notre skill d'union. Mais on se régénère en même temps. C'était le but que je voulais faire. Donc j'aurais dû me heal maintenant et au final on aurait moins DPS. Tout ça a du sens. Il va le prendre. So great. Non. Une chance sur trois. Oh, les boboules. Honnêtement, son skill défaisse beaucoup. Oh, je crois qu'il est... Yep, il fait la gueule. Oh non, j'ai rien foutu. Ah, ce mec, c'est le pire match de l'histoire. Je le vois comme pouvoir. Je veux ça. Et quoi d'autre? C'est tout. Ah non, il a fait un out, j'ai oublié. Excusez-moi. Ce jeu est simple. D'un coup... Depuis qu'on a un soin de groupe et compagnie, depuis qu'elle a eu son arme, gros changement en termes de DPS pour la team. Et on a eu aucun drop intéressant. Ce mec il prend moins la gloire en expérience alors qu'il n'a même pas combattu. Et pourquoi nous on ne fait pas par contre? Pourquoi nous on ne prend pas la gemme et on n'est pas directement sur la miroir? Si y a une raison, qu'on me le dise au moins. Lui aussi, il a fait de ma gueule. Il a tout compris à ce jeu. Oh, il parle à nous, la troisième personne. Nous ne pensons pas. Je pense qu'il le dit parce que c'est... genre les ténèbres et que c'est un petit peu toutes les formes de ténèbres. Pas juste une seule. Et il s'est barré. Ah, je savais. Par contre, j'avoue que c'est sympa de voir les reflets de la pièce dans la sphère. Ah, c'est cool. Des putes. Pardon, oh, succube. Oula.
Le jeu va être enfin intéressant. Et peut-être que maintenant, la porte qu'il y aura dans la grotte, maintenant, c'est peut-être ouverte, du coup. Ça a du sens. Enfin, pas vraiment, mais ça peut avoir du sens. Je vais te manger. Oh, il y a un gros porc ici. Ouais, si je vais sur la carte du monde et que je vois ce ciel là, c'est cool. Ouah, ça fait pêche. Ça, c'était un mec qui nous a filé une quête pour Milady. C'était un de ses camarades. Oh, c'est une jolie bestiole. Je veux affronter ça. Oh. Bon, on affronte ça aussi. Ce serait pas con au final. On peut découvrir un petit peu le bestiaire de ces démons. Ouais, je suis intéressé d'un coup. Il y a ta flèche. Ouais, j'imagine qu'il y a une quantité infinie de démons ou plus ou moins. Bon, de toute façon, on va quand même, même si j'ai dit qu'on va courir, on va quand même le sauver. Mais on va quand même le prendre, que mon héros a une tête de clan, alors sa mentalité doit être à ce même niveau. Mes yeux clignent à peine, je suis muet. Magie pure, Rappel. Par contre, c'est marrant que son bâton soit encore de la même forme quand elle a évolué au niveau 5, alors qu'il a perdu sa gemme. Je dis ça, je ne critique pas, c'est une critique. Ah, il m'a tiré dans le cul, salope! Ne croyez pas à ça, il faut pas que tu vends un coup. Ça, c'est normal, ça, par contre. Dans ton boob. Dans ton vaginex. Et toi, bats-toi, toi aussi. Ah, tu es faible. Ah, tu es toujours faible. Ah, tu es toujours faible. Il respire encore, moi. J'ai pas eu de taper assez fort. Les humains, c'est des cons. Nous savons tous, surtout maintenant. En fait, je veux pas te sauver, je veux te prendre ton âme à la vendre sur eBay. Ouais, ouais, tu es les plus malheureux du monde. Et pas mal connaître ta vie plus tard, honnêtement. Hein, il n'y a pas un coffre à récupérer encore ici, nous? Ouais, ouais, tu es très bon. A plus. Ils ont osé. Juste pour ça. Tu soques. Et il mourut. Nous. Il devrait en envoyer des plus gros plutôt que cette petite merde qui meurt en trois coups contre Lennart. Voilà, nous sommes maintenant le seul survivant. Tout le monde est mort. Chapitre 10. Waouh, le chapitre est extrêmement rapide. Enfin, ça fait une heure et demie qu'on joue, mais comparé à ce qu'on a fait la dernière fois, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi il y a un truc où. Pas rouge, hein, c'est violet. Bon, bah, nous sommes vivants, apparemment. The Swamp. Yeah!
Ah putain, ça flash. C'est quoi cette merde? Un vieil homme. Oh, c'était le mec au début du jeu. Je crois. Ouais, il est plus antique que légendaire. Ha ! Très drôle. Merci, je Rappel. D'accord. La partie est effrayante, mais bon. Bon, quelle crise financière. Il faut vraiment que je retourne dans la zone pour voir ce qu'il y a comme mob à buter là-bas. Que c'est... Je n'ai pas vu les mobs là-bas, c'est pas ce qu'il y a comme mob. Il n'y en a même pas. C'est le même mob qui est en haut, ça se trouve. Ok, donc il faut récupérer la pierre. Vaincre le roi démon. Simple. Perhaps. J'aime bien, en plus il dit peut-être que ça arrêtera l'invasion. Oh bah, mais peut-être que rien du tout. Ok. Oui, c'est sûr. Ouais, comment va-t-on là-bas? À part la porte que je sais. Ok. Oui, j'en ai une idée. Merci pour ton précieux soutien contre la guerre, contre les démons. J'apprécie. Un portal où on l'a extirpé. Ça fait 2 ans, Rappel, j'ai zappé. Mais je me souviens plus. Je ne vois pas du tout ce qu'il va le dire. Non. Moi non plus. Non, je sais pas. On ira voir, c'est son roi que j'ai en tête. Sinon après, je sais pas. Brainiac, pas Marvel ça. Actuellement, Brainiac, non. Marvel ça. Superman, tout ça. Et c'est dedans. Oh oui, c'est quoi d'ailleurs ce truc-là, parce que j'ai... Est-ce que c'est un portail pour le monde démoniaque et le monde réel? Enfin, le monde réel dans ce faux monde. Du coup, n'est pas réel. Les équipements ténébreux. Oh, révélation, frère, quand même. Dans chaque donjon, on a souvent vu qu'il y avait un coffre qu'on n'avait pas accès. Et que ce coffre serait lié à ces portails qu'il y a ici. Genre, je vais dedans, on combat peut-être un mini-boss ou tout du genre, on récupère un équipement spécial. Et voilà. Non ? Ce serait... Oh. Oh, ça expliquerait beaucoup de choses. Il va falloir faire dans chaque niveau pour trouver ça. On va en faire ensemble pour savoir un petit peu de quoi il est question. Et sinon, je ferai solo. Je vous montrerai ce qu'on a récupéré puis terminé. Il y a combien de donjons en plus? Ouais, je crois savoir. Il va y en avoir 15. Il y a 15 plumes à récupérer pour les accessoires. Ils apparaissent un dans chaque donjon.
Bon, voilà, je vais les faire, c'est un petit peu d'aventure aussi. On va enregistrer. Le combat n'est pas compliqué, mais ça prend du temps, donc. Prendre ça en considération. Allons dans le trou du cul du monde. Accessoirement, on va se soigner avant aussi, pour éviter d'avoir un problème, si c'est actuellement compliqué. Imaginez du contenu difficile sur le jeu. Pas le contenu endgame est compliqué pour le donjon tunnel. Je ne sais toujours pas où il se trouve. Ouais, qu'est-ce qu'on risque si c'était dans le portail des ténèbres? Mimique spéciale? C'est un PNJ pour les combats de poulet. Quel est qu'un poulet pour ce type de combat, hein? Nightmare Shield. Mimique spéciale? C'est juste ça, en fait. J'aime pas de combat, c'est inintéressant. Je ferai quand même de mon côté, hein, je vous montrerai ce qu'on a récupéré. Quoi qu'il en soit, on a eu du coup le bouclier... Et puis c'est quoi, d'ailleurs? Truc shit, là, pour lui. Nightmare Shield. A shield used by high-ranking demonkin. Waouh, ça booste la défense de plus 20. C'est fat. Ok. Donc, on va récupérer des armes et des équipements pour chaque personnage. Ce qui est intéressant d'un côté aussi. On va être bien, bien stuff pour le futur. Mais hors screen, ce qu'on a pour l'instant ici suffit largement à combattre ce qu'on a vu, on l'a vu en action. Bien, donc techniquement, si je fais Treasure Senso, on trouve tout. Donc c'est bien, c'est pour ça qu'il y a toujours un coq que j'arrive jamais à trouver à chaque fois. Ah, c'est bien là, c'est le seul endroit que je connaissais en même temps. Oh oh, et t'es là les bois. Enregistré avant, mais il n'y a rien à craindre. Il y a plein de créatures uniques. Chat. Ok. C'est pas un souci. J'aime bien découvrir de nouvelles créatures qui sont plus ou moins épiques. Pas enfin, ces porcs démoniaques. Et les mecs avec. C'est quoi ça? Ils ont un masque. On va tout tuer. Hey, musique a changé du coup. Cool. C'est quoi leur animation quand ils attaquent? D'accord, ils tapent le bide et ça fait un bout de chaîne. Flagon Adjid. Meurs Adjid. On va voir s'il meurt vite ou pas. Des monstres sont aussi puissants que les abeilles. Je crois que ça va être une suite de combats, mais apparemment pas. J'ai préféré que les créatures, on tue ceux-là, les autres créatures arrivent, et ainsi de suite. Pour faire genre un combat en chaîne, vous voyez. Un flot d'ennemis qui arrive. Mais c'est pas grave, mais... C'est quoi du coup ça? Du caster? Wraith Clown. Sympathique comme skin. C'est pas ce qu'ils font, ils vont se faire assommer jamais, qu'ils vont tous crever avec un... Nova Spark. Oh oui, Nova Spark va piquer ici. Et juste au cas où, s'ils survivent à tout ça, ils auront le droit de me tuer. C'est de la merdasse. Crystal Lightning. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de drop unique qu'on peut avoir par rapport à ça. Il n'y en a que deux, ça doit être les plus costauds. Mais je vous assure qu'ils vont vite crever aussi. Ah, il y en a qui ont une couleur de merde. Des gorbiotes, ça ne veut rien dire. Ah, ils craquent leurs doigts. Moi aussi, je peux le faire. Ah, c'est moins épique. Oh, fuck. Ils ont mis exprès loin pour pas que les oeufs fonctionnent. Bon, finalement, celui-là qui a une couleur de merde. T'as pas un nouveau skill, toi? Oh, c'est mon AE. Bizarre, hein. Parce qu'il n'est pas censé être là, théoriquement. J'ai fait mon AOE avec lui, j'ai oublié. Oups! En tout cas, elles sont très rapides.
il a pu bouger avant mon héros, qui est le plus rapide du groupe. Et ils prennent pas beaucoup de dégâts. Et ils font mal, à 80 dégâts en auto-attaque. C'est quelque chose à se méfier. Du coup, Monsieur Gourir préfère Ram Hals. Mort avec Ram Hals, peut-être. Ouais, il attaque avant moi. Et ces créatures vont être chiant pour une raison, je dois me soigner constamment après un ou deux combats. Voilà la raison qui va par cas, ça va être chiant. L'expérience est un peu médiocre, c'est 5 XP pour ça. Oh, gardez quelque chose. La carte des ténèbres, mais j'ai aucune carte moi. Pourquoi il aurait une carte de son propre endroit, oui. Oui. Ouais, elle a dû survivre, j'imagine. Il était faible, je le savais. Oui, oui, on peut rentrer dedans. Je suis prêt. J'aimerais être soigné avant, mais... Ouais, j'ai enregistré avant, je crois, non? J'ai enregistré au marais. Donc s'il y a besoin de faire un truc important avant, je le ferai. Mais on va peut-être faire le chapitre 10 aujourd'hui, d'ailleurs. Ça serait cool. Quoi qu'il en soit. Voilà. Allons-y, gamer. La ténèbre... Bon... On a une carte, comme ça. Ok, nous avons le Demonkin. C'est un don... Un donjon? Ça veut dire qu'il y a... trop de questions sans réponse. Comme ça, on ne saurons jamais. J'ai pas de monture ici, donc il va falloir y aller... Bon. On va y aller à pied, affronter des créatures qui traînent dans la carte. Pas dérangeant. Moi, mon nom va glitch sur le mur. Mais... On n'aura peut-être pas de combat ici, à cause du fait que je suis encore en mode invisible. On aura un retour, que ton rap peut sûrement être permanent ici, j'imagine. Juste explorer correctement, au cas où c'est un truc planqué sur la carte. Ce n'est jamais arrivé, mais ça devrait être unique. Donc, je dois satisfaire mon désir d'aventure. Et linéaire pour l'instant. Si on doit tuer des créatures, on les a déjà affrontées avant. Donc on voit un petit peu la gueule qu'ils ont. Savoir leurs attaques et potentiel de combat, je m'en fous. Savoir la tronche qu'ils ont m'intéresse plus. Donc c'est ici qu'on va combattre le démon et du coup il manque le boss de cristal. Ça se trouve il a été activé à la fin de ce chapitre ou au début de ce chapitre. Dans la zone de neige. Il y a une ville là-bas avec un boss bizarre. Et la zone est un petit peu cristallisée aussi. Bah on verra. Après cette zone, au pire. Bon, taper à la porte, hein. Et voyons voir combien de richesses à récupérer ici. 15 trésors, 15, ha ha. Et pas un de moi. Ok, j'allais dire, hey, y a un niveau qui se sépare en plusieurs. Ah, génial. Non, ça commence bien. Après, j'aime pas forcément tout ce qui est linéaire, pas forcément toujours fan de tout ce qui est linéaire, mais des fois, dans ce type de donjon où les combats sont un petit peu aléatoires quand vous avancez, ça peut être chiant. Parfois, j'ai simplement envie d'explorer tranquillement et après faire des combats. Oh boy, ça va être... Oup. Ne l'ont pas là. C'est caca cet endroit. Vous voyez pourquoi j'aime bien pas avoir de combat typiquement. Si je pouvais activer le buff et le retirer, ce serait cool. Et on n'a pas accès à ça. Donc, vu qu'il y avait un coffre ici. C'est un coffre. Une porte sous l'autre quelque part. Ça faisait plutôt un bruit de rocher qui partait.
Ça se trouve, le terrain qui était sur la droite, qu'on est descendu ici, est tout ouvert maintenant. On sait rien, on va découvrir ça au fur et à mesure. Ah oh, bordel, c'est en plusieurs chemins. Premier et dernier corps qu'on aura. C'est un objet de craft. Bon, on va essayer de faire comme on peut. On va aller là, par la gauche. On va être... Non, c'est ça qu'on serait dans le... Par exemple, le château du démon ouest. Et du coup, on sait où est-ce qu'on a exploré. Mais non, non. Ça... Il y a un truc là, ici. Il y a une ombre. Et on n'est plus invisible. Donc, on aura des combats, ici. Évidemment, les combats, on les a vu plusieurs fois, ça me fait chier. On zappera les combats. Pour explorer tranquillement. Mais il y a une ombre, ici. Donc, il y a un truc en hauteur. Je sais pas quoi, mais... Il y a plusieurs ombres actuellement. Et Crystal Evil. On s'en fout du Evil, je crois. Item. J'ai... Non, c'est nouveau aussi. D'accord, donc ça servira pour craft unique. Je me demande si on peut redonner l'âme du dragon à son peuple. On essaiera ça aussi. Le serveur screen. Je dirais que c'est important, bon, intéressant du moins. Attaque préventive sur... Ah non, non, c'est de niveau bestiole. Cool. Nous avons une vampiresse. La poil. Et un Tetsudo King. Tetsudo King. D'accord, c'est elle. Elle fait un bruit dégueulasse. Je pense qu'elle rigole. Mais ça fait un... drôle de brouiller. Quoi qu'il en soit, ça va mourir. Et je vais Nutcracker celui-ci par contre, qui va être sûrement résistant. Ouh, tiens, dégage. Hop, les démons sont trop faibles. Crystal Wind, ok. Il y a deux autres chemins à explorer. Hein. Un qui était par là. L'autre par le haut. Oh, oh regarde, par des piranhas, vampiriques. Ouah, 80 points de dégâts. Ça, c'est de la merde. Oh, bah, Bamos, il se barre, en fait. Oh, c'est à 11 points de dégâts. Je crois que c'était un critique à 1 point. Ouh. Oh, bah, oh putain. J'ai dit piranha sanglant et c'est Blood Girana qui... Pour tout de la gueule, c'est piranha. Girana, piranha, c'est piranha. D'accord, bah, c'était une... Coïncidence. Bon, je vous le jure. Non, non, pas paralysé encore. Ça va peut-être arriver, mais pas pour l'instant. Ok, ils sont costauds, oui et non, mais du coup, ils sont oui costauds. Il a réussi à Nova Spark, plus un autre coup. Plus à ça aussi. Ils peuvent être costauds. Celui-ci surtout, il est vachement balèze. Enfin, pourquoi lui en particulier. Je sais qu'il est plus gros, il est plus coloré, mais ça change absolument rien sans le jeu, dans ce jeu. Et nous avons Prime Rib et de la boue. La plus grosse bouffe du jeu. Et Crystal Fire, mais bon, on peut les acheter, je crois, puis on en a déjà plein. Donc Piranha, pas bien. Quoi d'autre est chiant ici? Je prends ça. Lightwater. Un objet. Je sais pas c'est quoi. Peut-être une résurrection. Mais on doit déjà, on possédait un déjà, sinon il serait apparu sur mon truc. Et ils sont costauds en plus. Ah, on est au sud, on a eu 3 coffres, on a encore 12 à récupérer. Ce niveau va être très très long, ça je vous l'assure. On va en ligne droite. Oh mon dieu, que c'est une sacrée ligne droite. Tiens,
Valbestial, c'est quoi? Babylone, c'est pour Babylone, rassurez-vous. Non, on dirait une sorte de... Yaf, Banshee, je ne sais pas trop quoi. Mais ça va mourir, comme tout le reste. Les AE sont nuls à chier. Cette zone n'est pas géniale pour ça. On n'a pas tout pour les buter en un coup. Ça, là, peut-être. Nah, c'est juste galère, c'est tout. C'est juste galère, c'est tout. Flingons les vampires, on sait que c'est des mages. Les mages peuvent être chiants. Et là, je vais juste faire Grand Slam. Car si ces deux vampires ne meurent pas, le Grand Slam les finira. Et elles mourront sûrement pas. Ok, elles mourront sûrement. Mon mana! Je m'en sers pour te tuer. Bon, je vais gaspiller 52 mana. C'est pas du vrai gaspillage, mais c'est beaucoup de gaspillage. Ok, ça va sûrement crever très vite. Dans la cinématique, les créatures meurent vite. Ça puisse à la règle. Odile de règle. Je m'en mentais. On fait voir que ces créatures étaient absolument inoffensives. Mais c'est faux! Ces créatures sont absolument chiantes. C'est mon mana en plus. J'ai perdu! Allons en or! Gauche? Non, je vous aime pas. Je me casse. C'est de la RNG, je vous rassure. Oh là là! 15 trésors là-dedans à récupérer! Je vais perdre 15 ans de ma vie. À tes souhaits. Tiens, tiens. Nous avons un Angry Chat. Grand croc. Une sacrée gueule. On va le tuer. Attaque lui plutôt lui. Imagine mal que cette créature soit très fort résistante. Donc le on sait jamais. On va ignorer défense au cas où. 50 points de dégâts. Moi il m'a crit pour 128 points de dégâts, c'était mon enflure. Domination. Hein, il m'a dominé. D'accord, donc faut ignorer la défense. On a eu sa carapace. Est-ce que ça vaut? Level up, Ropper. Il monte trop de balles. Ok, donc le requin est puissant. Activons ce truc. Une porte quelque part. Et cul-de-sac aussi. Bon. J'ai envie d'explorer, reprendre tous mes coffres. Le combat à du ferme, on peut se faire en dehors de l'exploration. Mais ce niveau est extrêmement chiant pour s'orienter, donc ouais, on va m'amuser sur... Ouais. Vous imaginez, j'aurai au moins deux combats pour un cul-de-sac. J'aime pas ça. Il y a une sortie ici. Et on dirait que ça ramène au début de la zone. Non, même pas. Mimic. Non, ça c'est la résurrection, ça. Du coup, j'ai quoi le truc que j'ai eu avant? Mimique ou pas? Pas mimique. Ouf, je voulais pas me barrer actuellement, tant mieux. On va retourner au début de la zone et prendre l'autre chemin. Y a pas de combat, alors je le fais, sinon j'aurais pas fait sinon, clairement. La musique, on l'entend même pas. Y a un coffre qui est là. Ça pour un morceau de pain. Tourmente, c'est une gemme. C'est même pas une gemme rare. Vous pouvez vous dire, waouh, t'es arrivé dans une zone endgame. Tu viens d'être des récompenses qui sont rares. Par exemple, au lieu de farmer tes mobs et de prier pour qu'ils droppent leur objet qui est rare, pour en avoir un ici gratuitement. Même pas. Vous faites tous les allers-retours pour récupérer un truc qui pue du fion. Oh joie. Comment il nous reste de récupérer. De choses à récupérer. 9. Il y a un gros château, c'est sûr.
Oui, bon. Si vous galérez, il y a un point de sauvegarde ici. On va enregistrer. Pas que j'ai peur, parce que la progression se fait plutôt tranquillement, même en combattant. Du coup, une porte n'est pas ouverte. Magiquement scellée. Ouais, je vois. Toutefois. Je vois. Donc, pour activer une porte verrouillée par la magie, vous pouvez appuyer sur des petites stèles qui sont physiques et mécaniques pour activer ça. Peut-être. Ne te crois pas, Rappel. On va fouiller et on trouvera peut-être. Ou pas. Bon, allons plein nord. Récupérer une résurrection, peut-être. Continuons vers le nord. Ah, des coffres qui sont ensemble. J'aime bien ça. De l'argent. Inutile. Littéralement. Un cul-de-sac. Encore un cul-de-sac. Le dédale le plus pourri du monde. Ouais, allons par ici. Essayons de suivre. Non, non, pas par là. Essayons de suivre les choses. Pourquoi il y a une dalle rouge? Voilà, c'était là 30 secondes. Mais je pense pas. Non, mon gars est pas assez obèse pour appuyer sur ce mécanisme. Si c'en est un, ouais. Ça peut être aussi un bug visuel. Oh, mon rêve. Hey, c'est bien ça. Hey, c'est bien ça. Ça va être un fruit de... Wisdom. Ah ah, j'avais une chance sur trois. Non, ça maintenant. Du coup, force, mettre la force sur Tatsuya. Agilité sur... Je sais, je le mets sur lui, c'est pas bien de le faire. Mais je le fais quand même. Après, les gens ne me croiront pas. Ils croiront que je le mets pas dessus. Mais je le mets dessus. Et Wisdom, je vais le mettre sur... Elle. Je ne sais pas si c'est Wisdom, qui sont les dégâts magiques dans ce jeu. La sagesse, on va dire. L'intelligence. Marche sur les pouvoirs de soins. Du coup, dans le doute... Je ne sais pas, mais quand même sur elle. C'est simple. Sinon, filez-le à... Aropol. On a un gang de mimiques. Et c'est chiant, ces mecs font extrêmement mal. Et ils sont très costauds aussi. Et... Bon. Ok, il va falloir les focus un par un et va se soigner quasiment tous les tours. Alors, Nova Spark a beau être une AE, ça reste aussi un mono-cible. Très puissant, vous savez quoi? Triple Thrust est plus puissant, je pense, en mono-cible. Vous savez quoi d'ailleurs? Faire autre chose à la place. Une cible. Ok. Mon main est le plus rapide, de toute façon. Il peut qu'il ait ce pouvoir-là en priorité, c'est important. Du coup, pareil, mono-cible et mono-cible... non, on va ignorer la défense. Les mecs sont plutôt costauds. Enfin, je dis ces mecs, mais... Mais y compris, les créatures bizarres. On dirait que des chiens dans celui-ci. Différents jeux, ça peut être des créatures avec des dents, des créatures qui marchent. Plein de possibilités pour les mimiques. Ouais, ils sont rapides quand même. Ok, ça va être bon. Le fait qu'on se débarrasse de 1, c'est énorme. Si les 3 attaquent la même personne, on pourrait avoir un kill direct. Ils peuvent vous crit à 100-101 points de dégâts. Ça pourrait vous tuer en 2 coups. Donc le fait qu'on a réussi à faire ça, c'est bien. On va juste attaquer ici. Devrait survivre à 2 coups. Peut-être pas actuellement. Il dépèse 2 fois Tatsuya, il meurt. Il meurt, c'est pas non plus la fin du monde. J'ai des résurrections, mais c'est toujours un petit peu galère de... mourir au combat.
Ouais, faisons ça. Et on va lancer une AE pour être sûr qu'il y en a un qui meurt. Je pense. Oh, ouh, double crit, hein. Soigne pour zéro, on se croirait dans Darkest Dungeon. Au moment, je bleed pas, donc c'est bien. Forêt d'occultiste. Bon, bah, victoire de l'homme sur les mimiques. Nous avons eu 4 glimstones, ça sera vraiment pour de l'argent, donc on s'en fout en fait. Mais on a eu 3 fruits liés à ça, donc les fruits étaient clairement le butin pour ce truc-là. On devrait pas avoir une cohorte mimique, ouais, honnêtement. On a été où? On a été ici? Non, c'est la suite, hein. C'est la suite, ok. Ok. Une seconde. Il nous en reste 4. C'est bien. Et ceci n'est absolument rien. Oh. Une porte s'est ouverte, seulement celle du haut. Combat ? Non. Bon, bien fait d'interagir avec. Pas sûr que ça fonctionne concrètement. Ce jeu est très limité niveau interaction avec le décor. On est encore invisible, donc pas de combat, ça fait plaisir. On est plus invisible, vu qu'on aura des combats, ça fait pas plaisir. Et mes 3 derniers coffres et éventuellement ma dernière cohorte de mimiques. Clairement. Peut-être. Peut-être pas. Fortune diagramme 3. Ça a crafté un objet que je ne sais absolument pas ce que c'est. Oh, une corne de bravoure, ça vous régénère tout votre mana en combat. C'est un de ces objets qui sont rares, vous ne pouvez pas les acheter. Et généralement, je m'en sers jamais, parce que je considère ces objets comme trop bien utilisés. Et je finis un jeu sans m'en servir, parce que je suis con à ce niveau-là. Et de l'argent. Et malheureusement, on va encore tomber sur une mimique, je pense. Non, c'était que dalle. Bon bah, demi-tour. Parlez, vous savez. Ok, nous sommes au milieu de la salle. Je ne sais plus s'il nous reste un trésor à récupérer. Je ne pense pas. Je sais qu'on a ouvert des portes, 2 portes dans ce niveau en appuyant sur des mécanismes, mais je n'ai pas vu ces portes s'ouvrir quelque part. Donc on verra. S'il nous manque 2 trésors à récupérer, c'est qu'elles sont derrière ces portes et c'est qu'elles sont dissimulées dans les précédents niveaux de cet endroit ici. Des miroirs, du coup. Oui, mon héros est moche. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Stargate? Ah. Il ne reste pas en plein milieu, pour des raisons évidentes de stupidité. J'ai clairement ces miroirs. Alors on dirait qu'ils se regardent l'un l'autre. Je comprends pas affronter un clone de lui, parce qu'il l'a touché. C'est un petit peu ça. C'est ça en plus. Ouais, on va leur côté avec nous. Et deux de ceux dans la team, on va torcher des culs. Lui aussi, il est un dildo draconique. Ouais, c'est pour ça, ne touche pas aux objets démoniaques. Et même chez vous, ne faites pas ça. Il attaque, mais des faibles comme moi, donc ça va, c'est qu'on va gagner. Ah, t'as une tête de gland comme mon héros. Théoriquement, s'il n'est pas avec moi, il est censé avoir que 200 points de vie. Oh, j'ai peur. Shadow! Bon, on va... C'est une musique de boss, ironiquement. Donc on va... C'est pas le roi des démons qu'on est censé affronter, mais c'est un début, donc on va... On va juste bourriner la gueule et puis ça va marcher. Il y a pas de... Il y a des AOE directement, mais je pense pas que Spark Nova Nova marchera sur nous. Elle touchera que 2 membres peut-être. Aucune idée. On va se buffer comme un. C'est quoi ça? J'ai pas ça comme compétence moi. Ok, donc il m'a réduit en... Attendez, il a 2 tours par... Non, non, non. Il doit avoir une action par tour. Son auto-attaque, par exemple. Et il m'a isolé ici.
donc je n'ai pas accès à mes attaques combinées. C'est pas si grave que ça, mes attaques combinées me servent uniquement pour me buffer, pour ce genre de choses. Donc il fait par défaut, donc je ne vais pas perdre mon temps à dispel ça. Ce serait une perte de temps. Donc on a pas de buff du coup, c'est pas grave. On va DPS encore, Milady va se heal au tour suivant. Si elle prend, se fait encore attaquer, je le healerai avec Tatsuya. Maintenant, quoi faire? On n'est pas buff. Donc, est-ce que je masse sur du critique ou je masse sur beaucoup d'auto-attaques? On aurait été buffé, je vais sûrement essayer les deux pour savoir lequel est le plus efficace. Mais on va mettre sur le critique. On va essayer au moins une fois. Pas être con. Et du coup, j'aimerais faire charge, mais c'est risqué du coup. On va ignorer la défense. Mon gars est buffé. De quoi t'accompagnes parfois avec? On tape à 80 sans buff. Donc l'attaque 10 fois est peut-être pas dégueulasse. C'est peut-être dégueulasse. On fait environ 18 points de dégâts. C'est pas mal. 18 points de dégâts par 10. 180 points. 80 est pas mal. On va heal de groupe avec Milady. Il tient la femme à l'ombre. Heal et roundhouse. Ok, bah elle peut pas être plus isolée que ça, vous êtes mort. C'est encore un sort de silence, ça peut être galère. Oh, Dark Nova Spark. Dark, il dit. Oh, Dark, pour moi. Et il est encore en bonne santé en plus. Ok, bon bah sa Nova Spark est plus puissant que la mienne. C'est sûr. Kamui ne marchera pas pour ça non plus. Non, Kamui c'est de la merde, j'ai essayé. Ouais. Bon, on va devoir se heal, honnêtement. Je voulais pas, mais. Oh, Sogret a fallu sa force. Plus DPS 3 fois du coup. Peut-être pas. Je DPS à 150 environ avec ça. Sinon, je DPS à quoi? 80 peut-être? 80 fois 3. Ça reste plus puissant, non? Je pense que oui. Oh, je suis isolé aussi. C'est triste. On est mieux. Ouais, il va faire ça à chaque fois. Il sait qu'on est faible. Il sait que nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas résistants. Oh, c'est mono-cible. Gaz quand même puissant. C'est pas 3, 18. Ok, il est presque mort. Mais nous aussi. Je vais me heal moi-même ou pas? Il m'attaque. Milady, je crois. Mon heal, j'ai peur que mon heal ne me sonne pas entièrement. C'est quoi? On s'en fout. Je voulais essayer le critique par rapport à ce dégât que j'ai infligé avant. Je voulais comparer les deux. Typiquement, on va essayer du coup l'inner défense, voir les différences que ça inflige. Ouais, si il m'en faut encore un coup, je. Meurs, je pense. Oh! Il allait m'attaquer avant elle. Donc, concrètement, je ne serais pas heal. Mon gars serait mort. Pas comme lui, là. Par contre, j'étais tellement occupé à paniquer sur mes points de vie que j'ai pas vu si mes dégâts étaient mieux. C'est que mon gars a fait 150 à la fin, qui est pas dégueulasse, du coup. Yes. Et l'autre, par contre, j'ai pas vu ses dégâts critiques. J'ai pas pu. Le temps de regarder, j'étais trop occupé à faire des conneries, sûrement. Nous avons vaincu nous-mêmes. Crystal Darkness. De la merde, je crois. Non, il est mort. C'est pas triste. Ok, donc le jeu était un petit peu simple avant, je trouvais. Ce boss, il m'était cher, il était très rapide. Il pourrait me faire du mal en late game. Peut-être la lenteur que j'ai. Peut-être devoir crafter les accessoires qui boostent ma vitesse. J'en équipe un ou deux, ça me boostera ma vitesse de 10 points. Il y a 20% en plus de ce que j'ai actuel. Je suis à 40, je passe à 50. Un gros boost déjà. Je pourrais le faire si plus tard je vois que ça me pose un souci.
Oh, c'est la gemme. Cool. On va être niveau 5 maintenant. Et mon arme va être soit plus affreuse, soit plus jolie. Du coup, j'ai pas eu mon lit de dragon très longtemps. Oui, je suis au courant de cette histoire. Excellent. Moi la puissance, pas mourir en deux coups. Le dildo. Banish evil. Ça tombe bien parce que c'est en bas des. Évidemment. Ok, j'aurais voulu un truc un peu plus stylé que. Le genre de choses roses encore. Le nom est cool au moins. Demon's Bane. Le flot des démons. Et le fléau de n'importe qui aime pas ce style de design pour les épées. Oh, je peux utiliser un pouvoir. Ok, c'est bien, mais ça fait quoi? On va devoir essayer. Ouais, j'ai tout fait. J'ai failli crever 4 points de vie. J'aurais pas level up avant. Je serais peut-être mort. Oh, ouais, ça n'a pas changé grand-chose. Je l'aurais tué au tour suivant, mais... Et cet endroit s'effondre ou nous bloque avec des petits cailloux. Nye. Une seconde, mon gars a 4 points de vie. Bon, que fait ici? Non, les petits cailloux. Ouais, c'est en 2D, alors j'imagine que les cailloux sont beaucoup plus hauts que ça. Mais bon, que ça tombe spécialement ici, c'est pas de bol. C'est directement un boss. C'est l'hydre. C'est pas l'hydre. C'est quoi cette merde? Pourquoi mon gars est content? Ok. Tentacule Entai Porn. Il ressemble beaucoup au vieux qu'on avait vu avant. Oh, c'est le démon Avira, antivirus. Bon, oses-tu Malif. Ok, il va falloir affronter ça, je ne sais pas du tout comment ça marche. Et vu qu'on a un petit peu galéré au combat d'avant, on va devoir se... On va devoir faire attention à ce qu'on fait, honnêtement. Et si je meurs, je vais recommencer le combat contre mon clone. J'ai pas envie, c'est long. Et je sais que c'est pas la fin du jeu. La fin du jeu, c'est fini au chapitre 12. On est au chapitre 10 ici. Donc c'est pas le vrai méchant encore. Forger un pacte. Non, j'ai vu comment ça s'est passé avant avec l'autre. C'est vrai, j'ai mes 5 gemmes. Pourquoi mon but c'est pas exaucé? Ok. Ah ok, donc parmi il y a quelqu'un d'autre qui est méchant. Non, c'est elle. Elle, pas elle. Suppos de l'enfer. Elle, il, elle. Bon, on va affronter monsieur joli coupe de cheveux. Non, pas le gros plan, c'est dégueulasse. Bon, bah on en va un petit peu à l'aveugle ici. Hein. On pourrait se buffer plus. C'est pas con, mais tant qu'on sait pas où on fout les pieds, j'aurais pas le même pour rien. Et n'oublions pas, Demon Bane existe, on a raison. On va... Ouais, je vais pas faire ça, c'est trop risqué honnêtement. On va attendre. On va triple attaque. Oh putain, son... il prend la place sur l'écran. On se voit pas ici, mais le gros cercle autour, Lightbox. Bon, on va du coup se buffer ici. Y'a quoi toi de spécial? Y'a vu leur puissance, compagnie, ouais. Pas sûr que ça marche sur lui, je pense pas du tout. Bon bah, buff les DPS. Et buff mon DPS aussi. On verra ce qu'il fait et on agira en conséquence. Yep, faisons ça.
J'aurais dû équiper les objets pour résister à différents statuts, s'ils me les infligent. J'aurais dû. Ok, tempête de foudre. Faut qu'on guérisse ça. Parce qu'il a joué avant que le personnage. Que le personnage puisse jouer. Et Milady a quand même pu agir avant mon héros. J'ai oublié de regarder si elle était plus agile que lui. Mais tant mieux. Du coup, il a été buffé avant qu'il DPS. Bonus point. En continuant de faire ça. Et on va se heal par contre. J'aimerais DPS, mais... ouais, ça va savoir ce qu'il fait. Ça se trouve, je vais devoir me heal à chaque tour. Et c'est peut-être, ça va sûrement arriver à un stade donné du jeu, je vais me heal à chaque tour. Pas pour l'instant. Il aurait agi avant, je me serais heal après, ça aurait été mieux. Mais... Ok, c'est du mono-cible. Et donc, il est avec Tatsuya en priorité. Il me retouche, je meurs. J'ai pas le choix. Si je me souvenais qui était le plus rapide entre Milady et Tatsuya, je irai en premier. Je crois que c'est lui. On va miser là-dessus. Et elle est buff. Je ne questionne pas les DPL, dans tous les cas, je ferai des dégâts qui sont corrects. J'aimerais juste qu'elle reste, qu'elle garde de l'énergie de côté, voir qu'elle ait du soin à chaque tour s'il y a besoin après. Juste que je sache, entre les deux, il n'y a que 5 de mana de différence. Soit je full crit en buff, soit je DPS plus ou buff. Je pense qu'on va crit en buff et puissant, je suppose. Je DPS quoi 5-6 fois, mais l'air correct. Let's go. N'oublions pas qu'il a également une compétence pour booster notre résistance à la magie, je crois. C'est où? Ouais, celui-ci. Ça pourrait nous filer un coup de main pour ce combat. Si on prend beaucoup trop cher, je tâcherai de me souvenir de ça. Ok. Mais on inflige. Ouh, on inflige 78. 4-5 coups. Whoop. On va le faire encore. Ok, on n'est plus boosté. Ouais, c'est mono cible. On est 1000 life. Mon gars va le faire. On n'est plus buff. Je fasse ça encore. Un tour pour rien. Je pense un tour pour rien pour DPS 30% en plus pendant le prochain tour. Ça peut valoir le coup. Ça c'est la E. Donc je vais devoir heal ça et sap. Heureusement qu'il joue qu'une fois par tour. Bien, continuons sur le triple. Le. Son mana est ok encore. Ça peut faire. Si plus tard à galère, je dépêcherai en auto pour régénérer un peu plus. Généralement les stacks en auto coûtent pas très cher. Et comme c'est une compétence qui utilise beaucoup de mana, coûte très cher, ce sera mieux. Un tour un petit peu gâché, mais faut penser aussi au late game. Oh. Oh shit! Ok, il m'a fait un contre qui m'a cancel le soin de Milady et son grade, je crois. Et il m'a fait son AOE après directement. Je ne pouvais pas résister à ça. J'aimerais juste savoir pourquoi il a fait son tremblement de terre ici. Parce que si je savais à l'avance, je pourrais me défendre contre ça. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, du coup, nous sommes dans la merde maintenant. Vu que mon healer est mort. Je la raise. C'est ça ici. Revive. Ouais, mais elle va être très low PV. Si l'AE passe après, c'est foutu. J'ai un skill pour plus d'un coup de main contre ça. Tu dois faire ça. Et c'est content que quand t'as souhaité de marquer en un coup. Ok. Ok. Ouais. Je sais pas comment ça se fait. C'est ce que je pourrais peut-être faire plus tard.
Je vais passer un tour à Noël ici. Où est-ce que... Où je l'ai elle en priorité. Je sais que c'est peut-être du gâchis de soins de faire sur elle plutôt que sur Gret qui... Qu'est-ce qu'elle a fait, elle ? Ok. Nous, on est défendu du coup. Je vais défendre. De toute façon, il a réagi à le fait qu'il a subi trop de dégâts d'un coup. Il a fait ça. C'est risqué, je vais défendre en cas où. J'aime pas le faire, mais... Ok. Bon. Ouais, mes actions sont cancel. Comment je pourrais faire? Il a peur d'être blessé? S'il est blessé? Non. Les attaques sont vers le bas, de temps en temps. Non, je sais pas. Je me souviens plus. Que ça se trouve, c'est le moment qu'il faut maintenant faire ça. Que si je le fais, il fera peut-être pas son tremblement de terre. Plus son AOE. Peut-être. Ça ne sert tellement rien. On va devoir le faire sans. On va sur ville. Et on va à DPS. Et puis on va voir ce qui se passe. Il fait la... Oh, il a cancel les trois. Je défends, je soigne. Mon mec va jouer après Milady. On se prend là, eux et l'autre, on devrait survivre. Boost ma défense. Ça m'aidera peut-être. Et je DPS pas, donc il est pas censé faire tremblement de terre. Plus l'autre. Ou alors il le fait à chaque fois que je fais une AO de soin. Donc l'AO de soin est programmée à l'avance. Je sais pas du tout. Vous savez quoi? J'ai beaucoup d'énergie en avance. On est assez pour en faire deux. Je vais en faire un ici. Juste au cas où c'est une possibilité. Tu peux auto attaquer? Non, on a l'énergie encore. Ok. Ok, fais donc ça. Et ça te déplace aussi. On la bound. C'est vrai qu'on peut DPS pendant ce temps sans qu'il me contre. Oh, c'est pendant plusieurs tours. Ok, faut que je DPS. Faut que je DPS un... Oh, ok. Bon. Waouh, 69 de mana. Nice. Tu m'as gardé mon énergie pour... Je DPS maintenant. Yeah, ok. Ok, ok, ok. Ça va pas durer à l'infini ce truc-là, je suppose, mais... On va profiter pour l'instant. Du coup, c'est bien ça. Je pense qu'il faut se charger sur... sur lui. On avait suffisamment d'énergie après. Vu du coup, unleash pendant qu'il est paralysé. Et je crois qu'il est essoufflé, là. Hein. Ouais, il souffle. Je vais le refaire. Hein. je soigne d'avance, au cas où. D'accord, donc c'est assez pété. Mais ça marche que sur les démons, je suppose. Il est mort. Ça marche que sur les démons, je suppose. J'ai sûrement fait exprès. À tester sur un autre boss. Du coup, avec lui mort, on aura sûrement la gemme de démon. Du coup, on pourra ouvrir deux portes dans la forêt. C'est bien ça. On a eu la spell rock. Donc c'est bon. Et on a eu également son âme. Parce que, normalement, on est en enfoiré et on prend son âme aussi. Louloulout. Louloulout. Z-Heal, sur qui? Rompol de la Z-Heal, lui. Ok. Louloulout. Mais ça va, on s'en fout maintenant. Je joue même pas avec Magané Nivok. Dégueulasse. Bleh. Ouais, t'es un petit peu bra. Mais il était dangereux sur un moment, j'ai eu peur. Ok, ouais, j'ai pas peur moi, ça va. Easy. Non.
C'est moi qui ai la plus grosse, haha. Il y a mes boules qui... Ah, pardon. Il y a les orbes qui sont sur l'écran. Ouais, non. Je vous rassure, il n'y aura pas de ça ici. Mes boules resteront à leur place. Une amie maintenant. Pas peur de toi en tout cas. Oh, la belle paire de cheveux. Ah, quelle horreur. Il est moche ce mec. On devrait se barrer ici aussi les enfants. C'est bien beau, mais je veux dire, on n'est pas en territoire allié donc. Il manque pas un coffre ici. 10, on était 5. Là, il compte pas. Ropol compte pas, par exemple. Non, non, il y a sûrement un démon plus méchant que le démon. C'est le roi démon, peut-être la reine démon aussi. Reine démon. Pourquoi c'est reine démon qu'on dit? On s'en fout, de toute façon. On la tuera, on tuera tout. Ah, d'accord, d'un coup, on est comme ça. Bon, bah, écoute. Oh, j'ai plus de monnaie. Où est le coffre? Quelque part, caché dans les ténèbres. Les abysses. Oh, le chemin se regroupe, je suppose. C'est Zako, ça. Que dalle. On a fait le bon choix. C'était de la chance. Vitalité. Booste vos points de vie permanents. Oh, le Light Water, c'est full recovery sur tous les alliés. C'est chouette. J'aurais su ça avant. Je l'aurais peut-être fait enfin, mon soin qui m'a... Qui a échoué avec Milady. Max HP. Sur qui je donne ça, du coup? Le main? Le main prend cher, quand même. Si Milady meurt, je n'ai plus de soin de AOE. Je n'ai plus non plus de résurrection, le pouvoir. Le pouvoir de la résurrection m'a ramené à la vie. Ou le PV. C'est fat. Mais si je m'autorise en combat. J'ai plus de points de vie aussi. Je vais filer sur elle. Sogrette a des pouvoirs pour booster la défense. Et la défense magique sur lui aussi. Donc éventuellement, il a moyen de subir moins de dégâts. Elle n'a aucun moyen. Donc. Là-dessus, 5 PV en plus. Si lui manque des points de vie, ça serait pour les objets pour lui donner des points de vie en plus. Pas beaucoup, c'est 20 PV par là par objet. Il pue, honnêtement. Ok, alors est-ce qu'on a tout? Ah! Je veux dire que c'est bien, hein. C'est pas un A. Ah, ah, dégueulasse. Non, non, c'est. Et on enregistre pour une fois, je suis content d'enregistrer. Parce que là, on skip directement deux boss. Ils sont quand même chez mais deux boss à la suite. Comme... Oh, on est dehors. Ça marche aussi, c'est correct. Oh, il y a deux entrées. Son château. Je suis un petit peu déçu. Chapitre 11. L'avant-dernier chapitre. Waouh, aujourd'hui, on a enchaîné deux chapitres d'un coup. Chapitre 8 était le plus long qu'on a fait, je pense. Yep, safe and sound. On l'a compris. C'est lui le méchant du jeu, je suppose. Comme tous les vieux. A bien aidé actuellement. Hein, tu imagines beaucoup, hein. C'est le fantasme sur elle, c'est ça? Le pervers. Quel tour? Je ne suis pas au courant. Oh! D'accord. Bon, bah, le jeu est fini. On n'est pas Traveler. Du coup, c'est Brave Story et New Clodo, New Random.
Donc un pécor de 13 ans comme nous a réussi à tuer le roi démon sans être un élu de la déesse. Waouh, chapeau! Chapeau l'autiste! Il marche ou il flotte? Pose la question. D'accord. Bah, si Ray est encore en vie. Je sais pas. Peut-être qu'on pourra. Oh, lui non plus, hein. C'est la première question. Vous voyez, je connais l'histoire. Je m'intéresse un peu. Du coup, on a fait deux chapitres. Donc je vais avoir une tonne de quêtes secondaires à faire. Oh mon dieu. Donc c'est pour ça que Ray m'avait dit que mon souhait ne se réalisera pas. Et du coup, il sait que j'étais pas un voyageur aussi. Bon, ma copine est morte. Ok. Ouais, pour rien. Ce jeu était une perte de temps. La déesse est une salope alors. C'est pour ça. Ouais, c'est une menteuse. C'est elle, du coup, le méchant de l'histoire. Le démon a bien dit que c'était elle en même temps, donc c'est elle. La seule elle qu'on connaît, c'est la déesse, donc... On a d'ailleurs jamais vu, je crois, d'ailleurs. Non, juste une voix. C'est tout, donc... Ouais. Bon. Oh oui, forcément. S'ils découvrent qu'on n'est pas un réel voyageur, ils auront peur de nous. Oui, on fait peur aux démons, faut croire. Notre route, hein? Pourquoi personne ne la prend du coup? Voir la déesse elle-même? Oh bah, si tout le monde peut le faire. Je ne suis pas spécial apparemment, alors pourquoi nous on pourrait y aller également? Voir la déesse? Non? C'est pas bizarre. Donc faut qu'on aille à Della Rubethi, qui est la zone dans le truc de glace, où il y avait l'espèce de boss au milieu de l'arène que je pouvais pas activer. On va y aller là-bas. Il nous reste environ une heure de jeu avant que j'arrête, donc... Mais la route est pas compliquée, on va à l'eau de dragon, on risque rien. Oui... On va botter le cul à la déesse. Ouais, on va la tuer, ça marche aussi, hein. Le démon n'est pas immortel, la déesse non plus. Hein. Ouais, puis quelle gloire aussi. Imaginez, c'est un petit peu comme dans Baldur's Gate, où à l'époque où les dieux étaient revenus sur Terre, ils avaient perdu leur essence divine, du coup ils étaient devenus humains, ils avaient quand même des compétences puissantes, mais ils étaient mortels, du coup. Et il y a eu un groupe d'humains, le groupe justement avec Sarvok. Non, attendez, c'est qui? Non, non, même pas. C'était des mecs comme par exemple, je sais plus comment ils s'appellent, bref, des gens qui étaient très balèzes, et ils ont réussi à tuer des dieux, parce qu'ils voulaient devenir des dieux aussi. Du coup, ils ont réussi à prendre leur essence et à devenir des dieux comme ça, c'était cool. Je sais plus comment ils s'appellent l'assassin, c'est un des plus connus, plus un enculé. L'eau quelque chose, non, je sais plus. Enfin bref, du coup, si on fait la même chose ici, ça marche. C'est qui, putain? Je sais plus. Ah, ça fait chier. Ça fait chier, que je connais. Tu fais là un coup de main quand même, vieillard. Ouais, des amis qui sont fous, apparemment aussi. Ouais. On va la prendre, la déesse. Oh oui, on va la prendre. D'accord, bah, au revoir, vieil homme. On verra en enfer. Oh, d'ailleurs, maintenant, je viens d'y sortir. Je suis encore invisible, je crois. Donc, on est bien. Le donjon, pas vraiment. Mais on avait ça la vraie fin du jeu. Et ça rend du coup un jeu plus intéressant. La fin de base n'est pas magnifique. Bref, on avait accès à cette zone du coup, que j'ai fait en screen. Là-dedans, il y avait du coup le. Oh, d'ailleurs, pendant que j'y pense, il y avait le nouveau craft.
C'est pas ça, hein? Non, c'est du lapis-lazuli. Donc pas besoin de ça. On va voir, on a eu quoi? On a eu... Sorcery, donc c'est pour... Il faut un spellbook page, un objet qui est rare. Ça doit se voler sur un mec chiant, j'imagine. C'est quoi ça? Increase max BP. Nye. Non. Oh, j'ai récupéré un King Shell sur les requins tout à l'heure. Du coup, j'espère que j'ai accès à cette défense de plus 5 en constitution, je suppose. Et c'est quasiment tout ce qu'on a récupéré de Tentacle Shocker. Nice. Tout ce qu'il y a, je crois. Non, il y en a un qui est là, c'est quoi? Fortune. Il faut que je farme des pièces de 8. Parce qu'il a fermé. Les pirates le donnent. Vous pouvez les voler sur les pirates aussi, une paire de coups. Donc je ferai ça plus tard. Quoi d'autre? Que dalle. Bon. Allons voir cette zone. Du coup, ce que j'ai aimé dans la zone, c'est qu'il y avait un petit peu... On voit, je pense, un petit peu tout ce qui traîne dans la carte du monde. Je pense que ce qui est là comme cathédrale, c'est qu'il y a dans la ville de Lys. Pour d'autres choses. Et il y avait ça au milieu. Je pouvais pas interagir avec. Maintenant, on peut même pas non plus interagir avec. Ça agit automatiquement. Star Sigil. Tu es moche. Arrête. Oh, faut qu'on mette tout dans un à côté. J'ai pensé que j'ai vu, bizarrement, j'ai vu une hache, j'ai vu une lance, je me suis dit, un bouclier, je me suis dit, ça va être ça, non? Faites-le aussi, ou pas du tout. Une grenouille. Elle va exploser. Les grenouilles qu'il y a dans Spelunky, elle est verte, elle n'est pas orange. C'était la meilleure expérience de ma vie. Appuyer sous drogue, ça aurait fait le même effet. Ouais, donc ce n'est pas Ray qui la tourmente. Ça va être la déesse, du coup. Enfin, la pute. On va l'appeler plutôt la pute. Non, ça n'a aucun sens chronologique. Comme ce jeu, d'ailleurs. C'est pas faux, on s'est rencontré ici, dans ce monde. Mm-hmm. Pourtant, il voulait la flinguer quand même à un moment donné. Alors pourquoi? S'il avait rien contre moi ou rien contre elle. Mais pas logique non plus, ou j'ai pas compris. C'est pas possible. Ton aura, ça casse ça? C'est de la merdasse? La tablette? D'accord. Et... Oh. Lève ton épée. Ou est-ce que ça a l'épée? Si on peut pas faire demi-tour, je rechargerai, c'est pas grave. Moins qu'on sache où est-ce qu'on fout les pieds. Si par exemple je dois fermer des mobs là-bas pour des matériaux rares, on sait où c'est. Oui, sans l'ombre d'un doute. Excellent. Cristal. Ok, c'est là qu'on aura notre dernière pièce pour ouvrir la dernière porte dans la forêt. Je sais pas si on pourra finir ce donjon d'ici 40 minutes. On va essayer. Je pourrais récupérer mes trois objets, mes derniers coffres dans la forêt. Si c'est pas le cas, bah je récupérerai deux, puis l'autre pourra plus tard. Quoi genre... Je me barrerai d'ici. Je dirais qu'on peut, mais dans le doute, on va enregistrer ailleurs. Et voir combien on a de... Niveau 53. Parfait, c'est du vieux ça. Combien il y a de trésors ici, s'il y en a? 12. Ok, bon. Je regarde si les chemins des fois s'ouvrent lorsqu'on avance. Pour être lié à la lumière ou à des effets d'optique.
Des combats. Est-ce que je suis encore invisible, moi? Je ne sais pas. Qu'avons-nous ici? Nous avons des Black Stangel. Oh, c'est... Dark Stangel. C'est pas... Ça veut pas dire genre Dark Angel. Ça ressemble pas à un ange, mais... C'est quoi, ça? Papyrus. Dirtail. Bon. Bon. Bah, écoutez. On va tout tuer. Savoir ce qu'ils drop, savoir s'ils sont chiants. Je pense qu'ils sont chiants. Ceux d'avant étaient déjà un petit peu galère. Peut-être la même chose. Ça fait mal! Il y en a un qui se défend en plus, donc c'est charmant. Il y en a un qui meurt pas non plus. Hop, il meurt pas. Et il est. Ok, donc le truc qui vole meurt très vite. Ceux-là sont très costauds. On a deux différences, mais j'ai pas vu, l'un qui est un black, l'autre c'est un dark. Ouh, la différence, vous avez les différences. J'ai juste l'épée bouclier et la hache. Actuellement, je vais te heal avant que tu meurs de mort. On va mener nos cibles, ils sont trop costauds pour rester en vie. On va DPS lui, et s'il survit, on va Nutcracker. Ça en DPS à lui s'il est en mode défense ou pas. Bon choix. Ouh, les dégâts sont pas terribles. Boink. Oh putain, il a pris cher et il résiste encore. Encore toujours un envahisseur. Ouf. Ouais. Il monte trop du cul. Ok. Bon, ce niveau va être... vraiment galère. Ceux-là, du moins, sont galères. Ouais, mon expérience est là. Clairement, un cap plus pour 3 mobs. Ok, mais difficulté par contre, galère. Je n'ai pas DPS, le mec au bouclier. Donc, Sogret va devoir s'en occuper solo. Nous, on va focus. Le mec qui vole et le mec après. Oh, ces endroits étaient énormes. 1, 2, 3. Bon, il y a 3 chemins. Ils ont tous une flèche éventuellement. Il y a 3 chapelles qui sont sur la droite. Donc, bon. Ça refroidit. Oh mon dieu. Oh, oh, oh le labyrinthe. Le pire qui pourrait arriver, c'est qu'actuellement, tous ces chemins soient reliés avec les autres chapelles aussi. Bon, nous avons quoi ici? Nous avons un Evil Stanger. Bon, il a une lance, un bouclier, ce qui me fait que ça fait chier aussi, du moment qu'il a un bouclier. Ah oui? Non. Non, flingons le mec qui a pas de défense. Et lui, on sait qu'il peut défendre. Il a aussi défense! C'est pas vrai qu'ils sont gantelés. Pourquoi ils se font chier avec un bouclier alors, quoi? Aïe. Ouh! Oh, il y en a deux qui sont presque morts. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va donc DPS. Les 3. Ouais, cool. Non, la mana est un peu. Dure pour ce niveau. Pour la simple raison que. Comme on DPS pas, que je me sens en mode défense. Je DPS pas beaucoup, je gagne pas d'énergie non plus donc. Je vais bien. Heureusement que j'ai perdu défense, ça aide. Alors j'étais assis sur mon cul, normal. Ok, donc ces créatures, je ne les aime pas du tout. Et en plus j'étais invisible encore. Bordel. Donc je peux même pas esquiver ces mobs. Faudra que je gagne beaucoup de niveaux pour explorer cet endroit correctement. Je pense que toutes mes quêtes secondaires, ça sort tout seul. Oh mon dieu. J'étais loin pour un coffre, quoi. Il y en a 12.
Dragon Flare Skirt. Mais il y a de nouveaux objets aussi. C'est une jupe. Ça doit être pour Yuno, sûrement. Ça le dépravait. Mais non, qu'est-ce que tu fous? Apparemment pas. Qui veut la jupe? Peut-être pour Ropple, il monte pervers. Non. C'est qu'il y a une robe. C'est qu'il y a une robe. Ah ouais. Ok, bon, la défense, c'est forcément énormissime. Hein. Je gagne 22 direct. C'est énorme. Donc, on va peut-être subir un truc comme 60 points de dégâts, 50 au lieu de 80, ou 130 points de dégâts. C'est cool. Ça, je trouve les autres aussi. Hit me in! Nah, pas 55. Ouh. Hâte de te dépouiller. On fait du bouquin, ce con. Tiens, on va faire un flurry. Oh. Hein? Non, regardez. La cancel. Ça pique. Donc il a pas deux attaques. Il a une attaque par défaut. Il va parler d'un de vos mecs. Et ensuite son attaque. Bon. Alors, je crois hein. Il le fait au premier tour. Après il le fait plus. Moi j'ai fait que des 1 point de dégâts. Pourquoi j'ai tué en faisant des 1 point de dégâts quoi. C'est pas la classe ça. On avait un rupee. Je vais te le prendre alors que Link essaie de me piquer mon rupee. Sorry Link, I don't give credit. Appuie. Oui. Pourquoi je ne ferais pas? Pourquoi j'ai du stuff qui n'est pas pour moi? C'est un bouclier pour lui. Moins bien que ce que j'ai. Oh putain, sauf que j'aurais récupéré mes objets démoniaques, j'aurais eu un gros boost. Ça qui meurt autant aussi. Ouais. C'est chier. C'est pas grave. On dirait qu'on a réussi à vaincre un boss alors qu'on n'avait pas le stuff qu'il fallait. Tu en croiras que je suis bon. Ok, je peux faire ça. La gueule, Empire. S'il te plaît. On peut tuer ça. Attaquer avant que ce soit en mode défense. Barco. Pas mal. Oh, mais il pique. TPS avant que ce soit en mode défense, par contre, c'est bien. Et j'ai pas vu que Sogret avait son épaulière qui était en mode super doré comme ça. Il a toujours eu ça? Hein? Aïe! Oh, vraiment? Je viens de voir qu'il avait son épaulière qui était dorée. Elle a jamais brillé autant que ça. Je me demande pourquoi. Je ne sais pas encore. Continuons de... On ouvre tout, j'imagine, pour pouvoir. On est passé là, peut-être. On fait rien. Tant que le camp. Je sais que si on combat pas, on n'aura pas de niveau, du coup, on pourra jamais les esquiver. Voilà. Ah, des larmes, merci. C'est vraiment ce que j'ai en ce moment. On peut avoir un combat sans ces connards qui est ici. Juste un combat. Savoir si on peut avoir un groupe de succubes ou un groupe de créatures avec des livres qui volent. Dès qu'il y en a un, j'ai pas envie de le faire. Sacré bordel ce niveau. Et on est uniquement sur une partie du niveau. La chapelle droite. Sacré préventive. On peut faire ça. Auto-attaque. J'ai envie de garder mon énergie pour
continuer à ce niveau. Ok, j'ai un dé. Tap. Ouais, enfin, DPS plus. C'est DPS pas, il y aura pas moyen de gagner d'énergie ici. Ça va être galère. Elle est bien boostée déjà en DPS. Défense pour voir. Oh. On drop déjà lui. Ah oui, rien, j'oubliais. Plus de flèches sur Yuno. Tout le monde s'en fout. Ok. Mais oui. Push. La porte s'est ouverte. J'aurais su qu'il y a un truc aussi chiant, j'en aurais acheté plein. J'aurais esquivé tous les combats où il y en a trois qui sont avec. Les trois chevaliers, non, non. Qu'avons-nous? Dragon Blazers. Dragon Blazers, Dragon. Tatsuya? Ah ah! Ok, enfin, il a une meilleure défense. Un but avec les flammes du dragon de feu. Oups, ok. Convaincu. Peut-être que. Moi, je sais pas si c'est juste Tatsuya qui esquive et qui prend en compte, ou alors c'est les levels de la team. Aucune idée. Sarcophage. Il n'est pas différent celui-là. Non, c'est même qu'avant, puisqu'il a une couleur différente. J'aime bien ces couleurs ici. Je suis fait 0 dégâts. Non. Et ne regarde pas sur greffe. Oh, il a pas fait. C'est différent celui-là au final. C'est de la merde. Oh, je viens de calculer. C'est un contre-attaque, après génère aussi la mana. C'est chouette. Du coup, elle peut juste rien foutre et rejeter sa mana aussi. Et elle se prend un peu dans la tronche. Et si elle riposte aussi. Je crois que j'ai de l'OK, j'essaie de le retenir. Alors, ceci pourrait être une bestiole. Genre 3 mini-boss pour activer le truc final. Je pense pas, mais. Crystal Frog. Ok. Je pourrais. Exit, retourner dedans pour tourner au début du niveau. Pas de mytho ici, moi. Oh non, monsieur. Donc, il y a une raison pourquoi là-bas et plutôt qu'ici, mais. Juste comme ça, je me dis. De la. Oh ah, tiens. On a eu énormément de combats et on n'a même pas vu une de ces bestioles. Bon. On sait comment s'en débarrasser. Taper dessus. À part un, je sais pas comment. Le squelette. Je connais pas le squelette. On va. Les mecs sont costauds. On va Grand Slam. Lam. One Punch. Mon socket n'a pas encore une armure aussi, je vous le rappelle. Donc s'il prend cher, c'est ça. Éventuellement. Lightning. Full Swing. Vous voyez ce skill. Hop, du cul, voilà, content. Juste que Sogret a une meilleure défense de base que les autres. Attention. Donc il sera plus costaud de toute manière. Plus de points de vie, plus de défense. La défense est sûrement aussi efficace que celle que mes camarades possèdent actuellement. Oh, puis pendant que j'y suis, agilité 59, 43. Donc okay, d'ailleurs, j'ai bien fait le bon choix. Donc il a 106 de défense contre 105, 109, alors que son armure n'est pas encore améliorée. Donc c'est intéressant. Gauche. Nous disions. Enfin, je disais surtout. Left Chapel. Toujours la galère. Hein. On est arrivé d'en haut, du coup. Il y a un coffre qui était avant, peut-être. Il y a un coffre sur le truc d'avant. Voilà. Oui, appuie. Un ascenseur. C'est moche. Waouh, les dieux ont des goûts de merde. Qui suis-je pour juger? Mon héros ressemble à rien. Attaque préventive sur. Il y en a un qui est différent. Enfin deux, complètement.
Bah ok, on a du coup des deux gras Shagara. Ok, bah on va tuer Shakira. On va être content. Hop, AOE et AOE, ils sont pas très costauds, normalement, peut-être. Qui sait. Donc, ils sont pas affaiblis encore. Ok, mais... D'accord, je voulais sous-estimer. La différence, c'est qu'on a des attaques préventives. Ok. Oh oh. Je suis certain que cette attaque peut me tuer en un coup. Les mandragores avaient cette même attaque aussi. Il y avait cette espèce de nuage noir qui m'apparaissait en dessous. Et si j'étais malchanceux, je mourrais en un coup. Donc, ces mecs ont un potentiel de one shot. Si la RNG me fait défaut et qu'il me cible deux mecs différents, pour avoir deux mecs morts. Enfin. D'accord, bon bah ma priorité ça va être eux. Oui, active-le aussi, après tout. Après. C'est pas une bonne idée. Et il y en a deux ici. Ok, bon. Est-ce que le démontral marche sur tout le monde? Ouais, sur le combat aussi. Mais elle est pas en vie. Non, on va burst complètement. Je pense que... Ouais. Juste, on en tue un en moins. 32 points de dégâts. Hein. Ok, pas de one kill, c'est bien. Flash wound. Mais non! J'ai flingué l'autre. Bon, voyons. Oui? Non. Non. On a fait un 99, alors qu'avant t'as fait 80 des poussières. Vous voyez, c'était moins aléatoire les dégâts que vous infligez des fois. 83, 81, 99. Oh, le DPS il est énorme comparé à ça, c'est 20% de dégâts en plus. Enfin, pas une auto-attaque, mais. Vous avez compris. Du coup, lui, c'est quoi? Ok. Et toi, t'as comment? Active-le encore. Un jour, ça marchera. Oui. Monstre! Quand même. Mais bon, je pense qu'il m'empêche de me barrer avec ça ici. Hein. Sauf si mon gars il meurt avant. Non. Voilà comment on contre leur piège. Et s'il y avait un ordre pour activer ces boutons? Il y a aussi un cercle en dessous. Il y a aussi un cercle. Non, je veux juste me barrer, je vais tester cette théorie. Non, une porte est ouverte. J'ai juste dépêché à la con. Ok. Bah, je sais pas où on va, mais on va continuer par là où on peut aller. Recovery diagram. Ezako. Et on va ailleurs, on a eu un coffre du coup. Oh, deux. C'est le soin de groupe en objet. C'est la mimique. Mimique spéciale. Je sais pas c'est quoi son nom. Son nom c'est douleur. J'espère qu'il n'est pas mis à la magie au physique. Assault chest. Non, c'est un nouveau mimique. Il y en a plein partout. Bah si on fait 0 dégâts. Ça fera 0 dégâts aussi. Essayez avec ça. Et en tout cas, 100% ignore défense. Maintenant que j'ai ma défense. Ça pique. Et c'était même pas un crit. Ouais, l'objet qui m'a filé reste très.
Non, non, je pense que je peux triple attaque et heal avec toi par contre. Et continuer avec. J'ai fait un espérant le tuer. Ok. Du coup, on fera l'inverse. On ira avec lui sur elle. Et on continuera notre combo avec. Il est encore en bonne santé ou. Il est encore en bonne santé en plus. J'ai l'impression. À moins qu'ils aient quelque chose. Un visuel qui ne montre pas s'ils sont après lui, mais. Je sais pas. Nax est évident. Ils se retiennent sur leur lance, ils sont penchés, ils respirent mal, on le voit, mais. Je suis pas convaincu ici. Ouais, c'est surtout faire un pack de 3. Ça pue. Voilà, ce mec est un boss. On va défendre, et honnêtement, à ce stade, je pense qu'on va juste défendre, qu'on dépasse, c'est pas énorme. On perd d'énergie pour rien. Il m'a crit en plus, j'ai trouvé les balles. On va triple, encore défendre. Tu ne tueras pas en deux coups. La défense marche avant que l'ennemi attaque au cas où. Je vous dis comme ça que les jeux vous dépassent la défense et durant votre tour aussi. Donc si par exemple l'ennemi vous DPS, vous prenez le coup en pleine poire, après vous mettez défense, vous avez tout perdu. Tout. Et ça arrive des fois. C'est pour ça. Je vous dis que là, ça arrive pas, vous mettez défense, ça marche. Ça. Donc c'est bien. Bon bah c'était une sacrée bestiole. Arrivé donc. Alléluia. Et celui-ci était mon troisième coffre. Donc une porte a été ouverte. Je pense que je suis sur le bon chemin, ou pas loin. J'ai besoin pour différents crafts. Du coup je suis allé par le nord. Il me reste par là à voir. Là je pense qu'on va au milieu ici. Du coup j'ai facilement raté un trésor. Non, c'était... Oh bah. En haut aussi, il y a un coffre. Horn of Bravery. Bon, bon objet aussi. Continuons et reprenons le trésor est ailleurs apparemment. Il n'est pas là où on est. Visuel ne ment pas. Voilà. Crystal Bird. Ah, il manque un objet ici. J'aimerais vraiment savoir où est-ce qu'on l'a. Il doit être au début de la zone sur la gauche. Il doit y avoir un dédale vers la gauche et la droite qui mène là-bas, mais. Voyons voir, il nous reste quoi par celui qui nous manque. Deux trésors. Ok. Ça se trouve, il nous reste lui qui est en haut et un passage au milieu. Et milieu. C'est marqué hôtel. C'est la gauche? Non, c'est la viole. Fuyant. Je vais arrêter bientôt, je voudrais juste voir ce qu'il y a. Deux hôtels. On ne sent qu'à les trucs. Oui, fais-le. Et fais l'autre aussi. Ah. Donc je pense bien qu'on a raté deux coffres. Ici, c'est clairement le boss de la zone. Donc, bah, le faire, ça va prendre peut-être 20 minutes, peut-être plus, si je meurs en compagnie. Donc, ok. Du coup, je vais le faire de mon côté. On va s'arrêter là. De mon côté, je vais explorer cet endroit ici. Malheureusement, je vais récupérer mes deux coffres qui me manquent. Je vous montrerai ce que j'ai récupéré. Je récupère tous mes objets dans mes coffres des démons aussi, dans chaque donjon. Ça va être fun et long. Et faire un maximum de quêtes possibles que je peux faire. On a maintenant accès à deux chapitres de débloquer. Et si j'ai environ 6 quêtes dans un chapitre, je vais en avoir une dizaine à faire. Donc, c'est pas le stream demain. Parce que j'ai beaucoup de boulot à faire. J'ai deux vidéos à éditer, celle d'hier, celle de maintenant. Et on va s'occuper. Donc, on verra ce qu'on fera. On verra. Allez, moi je m'arrête ici. Il va être 8h bientôt, je pense. Ouais. Donc, bon app pour ceux qui mangent. Et à la prochaine.